Oh putain, les gars! Ah non, les gars, sont enchaînés! Oh, ils arrivent! J'ai peur! Ils sont là, Il y a une équipe surarmée qui est rentrée par derrière pour nous éteindre. On s'est trompé de bâtiment! Ça va partir en bain de sang! Revenez! Monsieur, enlève les mains, s'il vous plaît! Mais non! Il fait des tirs de salvation! À 39, 18, bonsoir à tous! On attend de dispatch! Oh, sorry! Pardon! Pardon, je me suis mangé le drapeau, je suis vraiment désolé, j'avais attendu devant, pardon. Ce gilet pare-balles déjà. Sorry. Une tenue, là. Ah, sorry. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en Lincoln, moi. Oh, pardon, je veux... Vas-y, non, continue. Non, pardon. Vous continuez, c'est un ordre. Ok, c'est bon. J'ai une mission pour vous. Oui, dites-moi, ça va 45 aussi? Ouais, j'ai besoin. Super, merci. Là, j'ai besoin de vous à 100%, Youngfu. Oui, dites-moi, bien sûr. Vous allez me surveiller. D'accord. À 100%, 113. 113? Oui. Il est où, là? Je sais pas. Mais vous le collez, et vous ne lâchez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La mission, c'est celle-là. D'accord. Vous en saurez plus tard. Mais, okay. mais peut-être que si j'en sais maintenant, peut-être que je vais travailler plus. Ok, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant qu'il était ripou. Ah, mais... D'accord. Il aurait vendu une MP5 à des mecs des favelas que j'ai récupéré hier soir. Plusieurs meubles au sol. Ouh. D'accord. Donc, chaque fait et geste... Ça sera fait. Finir, d'accord. Ça sera fait, 07. Je vous ferai un rapport de la situation à la fin de la soirée. Ouais. Parfait. Vraiment, n'oubliez pas, hein, c'est vraiment... je vous demande d'être sérieux là-dessus. Je suis à vos ordres, monsieur capitaine. Ok. Ça sera fait sérieusement. Allez. Vol, mon petit oiseau, vol. Oui. Ah, un crampe. J'ai pas d'aile, monsieur. J'ai pas d'aile. Ça va, Riz. On est partis en patrouille tous les deux, hein. Oui. Riz, j'ai volé ta plaque sans faire exprès la dernière fois. T'as volé ma plaque? Et regarde, on a retrouvé la voiture, il y avait mon fusil à pompe et tout. Elle est à mon genou. Vous avez volé votre voiture avec un fusil à quoi? Non, mais ah oui, c'est vrai que t'as ma plaque à mon genou, vraiment ça. Oui, mais voiture. Mais j'ai perdu ma plaque. Attends, elle est où ma plaque à moi? Elle est dans. Tiens, je te la donne. Ah oui, plaque de police. Ok. Non mais parce que quand on est parti faire la mission pirate, on avait mis toutes nos armes dans la voiture et je sais plus où elle est, la voiture où il y avait toutes nos armes et elle doit être dans le parking là actuellement. Ah ouais? Mais tu sais c'est laquelle? Je pense. Bah je crois c'est une voiture de police, je crois. Bah ouais, mais il y en a plein des voitures de police. Ah oui, c'est vrai, merde. Putain. Bon, mais ça... Ah, c'est la voiture à Adama. La voiture à Adama? Adana 30. Adana 30. Oui. Ça s'appelle Adana. Ah, Adriana, 113 pour Adriana, tu m'entends? Radio 2, l'information, je crois. Notre nuit du Nord. 113 pour la plus belle, est-ce que vous me recevez? Il a dit Adana. Il avait pas compris au début. Répétez, Charlie. Oh merde. Notre nuit du Nord. Elle est pas là? Elle est pas là, 30? Oh mon dieu, il y a des coups de feu. Oh mon dieu. À 95, on va sur les shots fire. Ah, ouh, il y en a beaucoup, mais c'est là où j'habite. Également, droit sur les derniers, 31. Et après. Ah, c'est fermé, je crois. On a combien d'unités sur les shot fire? Ouais, il y avait mes effets personnels dans ta voiture. Elle est où? Putain. Vite, monte. Mais oui, mais c'est lui, là. Oh merde, ça cherche pas ce que j'ai dit. Merde. Ok, parce que dans le coffre, il y avait nos affaires. Metro. J'ai dit, mais c'est lui. Ouais, j'avais mon fusil à pompe et tout. J'ai parlé à la troisième personne de moi-même. Et vous allez retrouver votre petite famille en sortant de cette banque, croyez-moi. De rien. Il y a combien d'otages? De rien. 7 otages. Écoutez-le bien. 7 otages. Ouais. Sinon ça va vous, messieurs les agents et... Ouais, ça va et vous? Ça va la racaille? Hein? Millionnaire après ça. Qu'est-ce à moi? Bref, oui, toi. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une banque là. Oui. Tu dis pas là, arrête la racaille. C'est une banque. Ah ouais, lourd. C'est une banque. En fait, il y a un espace trop vide. Déplacez votre véhicule. Il se passe quoi là? S'il vous plaît. Il y a. J'ai les riottes qui bloquent au milieu. Viens. Les mécanos ont été appelés. Attends, j'ai dit une bêtise, les gars. Le toit, on est d'accord qu'il y a une échelle et il y a un escalier. C'est tout. Ouais, pour aller sur le toit où? Là. Celui-là, celui-là. Ok. Vas-y, go. Parce qu'il y a des mecs là-haut en fait. Le mieux, c'est d'y aller à pied en scred, non? Ouais. On peut.
Par contre, ils sont 4, faudrait qu'on y aille au moins. Bah, on est 5. Qui va à 5 On peut, hein. Mais pourquoi elle est là-haut? Pourquoi c'est qui? Il y a des mecs là-haut. Parce qu'il y a 4 mecs là-haut lourdement armés. Ah merde. Ouais. Vas-y. Donc, bah, on va essayer, hein. Je pense que le mieux, ouais, c'est d'aller à pied. Pourquoi les gars, il a mal pris que j'ai dit salut la racaille 95? Hein? Pourquoi, wesh? Okay. Le problème, c'est que là, ils sont tous. Non, dites pas aigri, mais j'ai pas compris, moi. Mais wesh, mais attends, mais il se passe quoi là? Ok, on va passer par l'escalier, on reste tous ensemble, les attends, gars. Attends, descends pas, je me mets dans l'autre sens, on doit partir vite. Ouais, mets-toi dans l'autre sens, 609. Même les bruits, les bruits, en vrai, je pense, ils sont tendus déjà. Bon. En tous les cas, ils vont nous voir, hein. Je pense pas qu'on va les surprendre. Ouais, oui, clairement, clairement. C'est juste savoir s'ils sont avec ceux d'en bas ou pas. Mais ça risque de partir en fusillade, ils sont pas d'otages. Ah, mais si, ils ont fait de la banque, ils ont fait de la banque. Hein. Tu penses qu'on a accès à la banque Il y a une porte. Faites gaffe. J'aurais jamais cru. Comment il fait pour sprinter comme ça? Pour pas aller trop vite? Oh, Riz. Riz. Ouais. Merci les frères. Ça serait grave tellement le moment de genre rentrer masqué comme eux et essayer de passer. Oui, oui. Mais c'est tellement risqué. Attends, viens, on va se mais ils sont, on sait pas, ils sont combien, on sait pas. Ouais. Imagine, c'est qu'un gang, genre ils vont cramer. Riz, il me dit oui, sur des braquages de convoi, il te faisait tout le temps. Sérieux. Je reste en bas, je vous dis, si la porte s'ouvre, c'est tu. Ah, et du coup, Zarma, j'ai dit racaille et sur un braquage de banque non, et. Il y a tout le monde qui recherche. C'est pas des racailles. C'est pour ça qu'il m'a. Il a fait Zarma, ouais, j'entends pas ce que tu qu'ils disent à cause de moi, genre ça. Okay, ah, ouais, d'accord, lourd. D'accord, qu'il y a qu'un seul cas match. Je viens de comprendre, d'accord, ouais. Ça m'étonnerait qu'il parte pas là. Directement relié à la banque. Attends, Jésus, tu peux venir derrière, s'il te d'accord. Plaît. Derrière quoi? Derrière les. Bah, on est au niveau de la banque là, en plein milieu de la banque. Ok, j'arrive, je redescends. Pas les coups de feu? Moi sur le shot fire? Du coup, on essaie de rentrer là? Mora. Mais du coup, les gars, ça va partir en cacahuète là? Rapide sur ça, c'est ça qui met tout le monde en panique, s'il vous plaît. Merci infiniment à tous les gifteurs, merci les frères, vraiment. Est-ce que je jette un coup d'œil? Ouais, est-ce que déjà c'est sûr? Non, mais attends, mais je peux jeter un coup d'œil. Jette un coup d'œil. 95 à tous, je vais rentrer dans la banque pour vérifier que les otages vont bien. Attends. Faites attention. Stop, enlevez vos lumières. Arrête, 113, piqué. 113, reviens. Ok, topo situation, 37, tout va bien pour vous? Tu vas pas suicider quand vous arrivez? Rentre à l'intérieur pour vérifier le nombre d'otages et tout. Non, vous rentrez pas, hein, vous passez juste la porte. C'est à eux de les montrer un par un. Je peux ramener un deuxième si besoin, capitaine. J'ai besoin de l'accompagner. Oh mon dieu, j'entends quelqu'un! Juste ne parlez pas, suivez-moi et ne parlez pas, s'il vous plaît. Merci, Wiki. Faites-moi juste confiance, d'accord? Vous ne parlez pas. Vas-y. Oh putain, les gars! Toi. C'est bon. Arrêtez de tirer. Attends. Fais attention, il y a des motos qui tournent autour. Ben 18, bonsoir. Star 26, venez à la Pacific Bank, s'il vous plaît, prenez une voiture tout seul. Affirmatif. Venez dans le parking, je vous récupère. Faut qu'on se mette pieds nus, les gars, pour pas qu'on nous entende. Oh, les arrières, c'est reçu, 113. Sachez que le LSPD va s'occuper de ça et que vous allez sortir vivant de cet endroit. Ah non, il va se renciler. Bouge pas, mettez-moi en l'air, bouge pas. Reviens, Il était tout seul. Non, mais non. On prend la chaîne à la gauche. Ils arrivent. J'ai peur. Ils sont derrière. Rentrer dans la banque, apparemment. Bougez pas. Attends, il est là. Ils sont dans mon dos. Quatre, l'équipe duo. Ah mon dieu.
que vous me recevez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que nous deux dans cette banque? On est rentré, on s'est fait repérer, on est ressorti. Et pourquoi vous êtes rentré? Je sais pas, il y avait une porte qui ouverte, on voulait regarder. Arrêtez les gars, arrêtez, sérieux. On a vraiment failli en choper un. C'est pas grave. Ils sont 25, on s'en fout. Ouais, mais on aurait donné une petite carte en plus pour... Allez, stop radio. Calmez-vous. Oh. Maintenant, l'équipe d'en haut, vous revenez devant la banque. Il aurait pu faire play le gars, en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, on a bien une porte, du coup, à la... Ouais, c'est vrai. Philo 09. Faut la surveiller. Il est descendu direct, il est parti, lui. Il est parti direct. La cinquième personne. Sur le côté, vous dites. Oh, ils sont là. Derrière, sur le toit, ouais. Il y a un ASD, va être déployé. On veut juste vérifier s'il y a un autre collègue encore à l'intérieur, c'est tout. Il n'y a pas de collègue à l'intérieur. Mais 09. Bon, votre objectif, vous êtes resté sur le toit, d'accord, ASD. Derrière vous, 99. Il n'y a pas de collègue à l'intérieur. Attends, mais c'est qui ça? Tous dehors, là. Par contre, s'il vous plaît, je ne veux plus personne qui tente des trucs bizarres. Sors, il t'arrivera. Les entrées, on n'est pas sur Fortnite, les gars, s'il vous plaît. C'est qui là? On a 6 autres, 7 autres à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fous là, quand même? C'est vraiment pas le moment de faire les super-héros. Merde, moi, je collatéral là. Bah attends, tu te fous de ma gueule. C'est pas un British, les gars? Dommage collatéral de la vie. C'est pas un British, lui? Tu te fous de ma gueule. On l'avait explosé? Il était pas dans l'avion, lui, 7-8? On va descendre, ils ont juste voulu parler. Écoutez-moi. On va installer un pan de C4 derrière la porte avec un otage devant. Si vous essayez de désamorcer le C4, ça va tuer. On va plus réessayer, vous inquiétez pas, c'est rien de mettre un C4. Nous, on va juste rester ici pour surveiller que vous partez pas par là, c'est tout. Non, on va pas partir par là, de toute façon, il y aura un C4 de mille, comme je t'ai dit. Très bien. Vous pouvez descendre à l'intérieur, là. Très bien, vous aussi, vous pouvez descendre. Allez-y. Fait par les Staryots, nous avons Caleb, le dernier des British. Putain, mais information, je l'ai eu au téléphone. Du coup, on a perdu l'accès là-haut. On a perdu et qu'il allait nous faire payer ce qu'on a fait à sa femme. Pareil, il m'a envoyé un message. Merde! Qu'il du coup, bah, ils ont. Gars, là, qu'on a braqué. Ils ont bloqué là. C'est un ancien British? Non, le mec qui était sorti avec son costard là. Ouais. Il me dit quelque chose quand même. Oui, moi aussi, il me dit quelque chose, le mec, oui. Oui, mais bon. Ah ouais? Il vous dit quoi? Bah ouais. Bah l'autre bâtard, là. Oh, j'ai failli dire faire. Attention, il y a énormément d'armes lourdes. Quel autre bâtard? Je sais pas, si je peux dire. Mais là, on ne pas des barrières devant. Non, parce que là, le problème, c'est que si c'est lui, bah la banque, elle va pas se passer tranquillement. Qui? Bah Cube. Ah. Parce que c'est un terroriste. Et dans ce cas-là, la banque, franchement. Celui qu'on a braqué, là. Oui, c'est le premier qui est sorti, ouais. Costard beige. Il y a une unité qui va chercher s'il vous plaît à manger et des bandages s'il vous plaît. Putain mais c'était parfait, j'ai la haine. Oui, ça aurait été juste un plus petit. Ça aurait été incroyable. Ouais, on le sort. On le sort. C'est grave dommage. On a eu tellement d'infos en plus. C'est grave. Je te rappelle du SWAT 78 là. Ouais. Ça te redonne des frissons. Les gars, est-ce qu'on met des barrières devant? Tu sais ou que comme ça? Je vous dis la vérité. Il faut aller en chercher des barrières. Il a failli prendre un coup de pompe. Après, je me suis dit. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Non, je te jure, ça serait parti en couille. J'avais 95 et je ne sais qui d'autre à l'intérieur. Ouais, c'est pour ça en fait. Mais ils étaient juste derrière la porte là, ils étaient 5 environ. Bon, les gars, on descend, on reste seul. En fait, il y avait 95 à l'intérieur qui regardaient les otages. Faut prévenir radio qu'il y a un C4 et un otage là devant la porte. Ouais, de toute façon, tant que personne. Moi, je regarde. Ok, 113 pour centrale là, par rapport au braquage de banque. En haut, il y a une petite porte. Et cette petite porte, il y a un C4 qui est dedans, enfin qui est devant, avec un otage qui est devant la porte également, en gros. Si jamais on passe par là, ça pète. Yo, Lipia. Ok, vous inquiétez pas, de toute façon, l'ASD va se poser sur le toit et va surveiller cette porte. On aurait pu faire tir croisé. Non, j'ai pas vu le C4, moi. Non, mais il l'a dit, en gros, donc... D'accord, ben... Très bien dit, j'ai une grosse bite, en tout temps. C'est pas de le dire, il faut l'avoir, hein. Là, c'est sa parole, après. Bah, tu sais quoi, je vais rentrer et toutes les balles, elles vont me faire zéro dégâts. 113. Arrête, regarde. Deux médecins qui arrivent. Non, mais après, au pire, tu l'as posé après. Tu mets un coup de taser, tu vois, ça explose, l'otage, il meurt. Oui, justement, on sait jamais, on peut pas tenter le risque. Après, un otage entre nous, y'a que nous qui savons quoi qu'il y a un otage. Je vais pas prendre de nez, il va tout le temps dans l'extrême quoi. Bah non, mais ça, il suffit pas de le dire, il faut assumer quoi. Mais est-ce que vous entendez un tic-tic quand vous approchez de la porte? Non. Y'a pas le tic-tic! La technologie qui a avancé là. Y'a pas un tic-tic! Tu te rappelles avant, t'avais un fusil à pompe et tu disais, bah non, j'ai pas de fusil à pompe, je l'ai posé. Oui. Ouais, il est dans le coffre. La bite, il est dans le coffre. Un otage, c'est quoi en vrai? On descend ou on reste là?
C'est vrai, je suis bien là, c'est moins. Ouais, mais en bas, ils sont déjà. Moi, en vrai, je suis bien aussi. Là. J'ai ouvert ma bouche, en bas, on m'a insulté. Je pense qu'il est bien ici. Bref. T'as dit quoi? Non, j'ai dit à des racailles, on m'a dit oh, ouais, il entend rien là, à cause de lui. Derrière. Mec, t'as dit quoi? J'ai dit, eh oh, les racailles. Attendez, reste là. Le mec est parti là. Ah ouais? Ouais, dans la ruelle. Masqué ou pas? Là, avec la moto là. Attends. On est bien là-haut là, les gars. Oh, ils avaient vu, je crois. Ils avaient vu, ouais. Mais comment on va remonter, les gars? Bah là, il y a des choses. Monter pour redescendre. Ouais. Ah. En fait, l'échelle, si tu la prends, s'ils nous attendaient en haut. Ouais, mais c'est ça, s'ils nous attendaient en haut, on allait être split et on sort. C'est notre test qui va sortir. Après, moi j'ai un parachute, les gars. Je fuis. Pour descendre, après, on prend l'échelle, ça, y'a pas de. Après, si t'en as deux parachutes ou 4, 5. J'en ai que. Faites gaffe, y'a les mecs en montée qui attendent là-bas. Espèce de biker. 39, c'est une dingue, tu te sors à l'escalier en pied de comité. Un petit comité. Moi, des bikers qui tournent autour de la dès qu'il y a trop de gens. Comment ça, trop de gens, je t'envoie. Ils ont rien de leur prospect. C'est une dinguerie. Coupez-moi encore une fois en radio, je vous vire. Ouah. Ouah, le capitaine il est. Attends, faut aller là, on est super. C'est bon, c'est parti, bon, allez, moi je descends. Attends. Tu veux pas on aille négocier avec la gouverneure? C'est mieux, non? Non, mais pas, mais attends, je réfléchis là. Pourquoi tu réfléchis à quoi? Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là les motards là? Mais il y a tellement de gens, il y a 10 000. 09. En tant que radio, j'ai une question, c'est vous qui avez suivi. Oui, il a raison, c'est à tout moment ça part. Affirmatif, en rentrant dans le frigo, j'ai un problème. Mais attends, mais comment on va manquer? Voilà, là. Y'a un mec qui s'est barré! Putain! Bah, est-ce qu'on a le Camacho là, j'avais pas vu? Bah oui, bah justement, là, faut mettre sans sabot, tu vois ça. Vas-y, 113. Ah, pourquoi on est pas monté par là tout à l'heure? Parce que s'ils nous attendaient ici, on avait pas le temps de tous monter l'échelle et on se faisait baiser. Du coup, là, on descend? Ouais, j'ai vu la voiture dans la ruelle, le Camacho. Ils ont mis un sabot. C'est bon, il est là. Il y a la SD qui est arrivée, donc c'est bon. Affirmatif. Ils ont mis un sabot. Ils aiment trop tirer. Oui, ils aiment trop tirer. Je sais pas, ils voient peut-être des caméras au fur et à mesure, un truc comme ça. On a un hélico dispo ou pas, au cas où? Quatre sur le toit de la banque, là, actuellement. Faites bien attention à la porte de derrière là, la porte sur la ouais, droite. Ouais, j'escache l'envisu. Faut une unité qui la surveille au cas où. Bizarre les motards. Ouais. Pour l'instant j'analyse. Compte, à l'intérieur, une dizaine de personnes, les négociations se passent bien. On a réussi à sortir un otage. Et il y en a encore 6 à l'intérieur. Donc on attend la suite des revendications. Oh merde. Ouais, c'était... Allez, vous mettez. On est en... Merci Yacine. Merci mon frère. Sud, on a pas besoin d'unité, on... Allez-y, continuez. Ah bah voilà, y'a plus d'unités là. Ah là on est bien là. Derrière, essayez de les faire circuler. Je sais pas, on était où tout à l'heure? On était là. Non mais les autres collègues quoi. Ah. Par contre, ma voiture elle est toujours retournée là. Capitaine voiture, là, pour bon, le mécano arrive capitaine. Ah, mais ma voiture, est-ce que je pourrais avoir un topo s'il vous plaît capitaine? On peut pas faire grand chose pour le coup. J'ai dit quoi, à la fin des négoces. On va avoir un topo là actuellement, on en est où? Braquage de banque revendiqué par Cube. D'accord. Ah, t'as raison, 39. Ils auraient 7 otages à peu près. Okay. Et c'est Cube le commanditaire. Et... Ah ouais? Ouais, bah c'est ce qu'a dit le capitaine. Ok, donc on est d'accord qu'il y a Cube. Oui, oui, oui. C'est celui qu'on avait tout à l'heure là-haut là, normalement du coup. Mais capitaine, franchement, on a failli faire une masterclass. Ouais. Oui, vraiment. Vraiment. C'est qu'ils avaient des otages. Mais en gros, on est parti en haut. Ah ouais, parle doucement. Ah ouais, non, en vrai, je parlais pas. On est descendu et en fait, il y en avait un qui était tout seul, mais sauf que je pense que c'était Cube. Du coup, il a pas voulu se rendre. Ouais. Genre, il était tout seul, on aurait vraiment pu genre, le récupérer. Le fumer, quoi. Comme par hasard, on est tombé sur lui, quoi. Sages, quoi. Ouais. Merde. Bon, moi, vous avez essayé. Ouais. Ok. Là, du coup, il y a trois issues de la banque. Il y a celui du toit, lui et celui à droite. Ok. Mais le toit est potentiellement piégé, mais bon. Pas vraiment sûr. Enfin, c'est leur dire quoi, ils ont dit qu'il y avait un otage et un C4, mais c'est pas sûr. Oui, mais il y a le Henri qui va rester sur le toit dans tous les cas, qui va surveiller. Voilà, c'est parfait. Et parce que en fait, mon hypothèse c'est, je pense pas qu'ils vont sortir la banque. Ouais. Ok. Capitaine, il demande pour l'Almodova là, c'est comment? Comment il s'appelle, tu m'as dit? Almodova. Luis.
Almodovar, c'est qui lui? Coffre de la voiture devant toi. Ah, c'est celle-là? Il est en cellule. Ah bah attendez les gars, venez on regarde le coffre. Venez on regarde les coffres les gars. Pour voir c'est quel coffre. Merci Kenny pour le 3€. Je t'aime. Merci Kenny. Moi aussi je vous aime les gars. Mais pas, pas en bizarre. Et bonsoir. Ah non y'a pas hein. Y'a pas wesh. Oh non. Ah. Oh c'est enfin. Attends, qu'est-ce qui est chiant? Bah zéro, t'as pas juste. Y'a des gens qui ont du mal avec la chaussée, y'a le goudron qui est encore chaud. Oh ton crâne il est chaud. Ah, il est moelleux. 300$ dans le vent hein, ça me... Du coup je disais on a les gens les plus most wanted actuellement dans cette banque. Ah ouais. 02 20. Tous les stéréos qui sont recherchés, on a Caleb. 02, il y a une vidéo qui tourne sur toi sur Twitter. C'est pas moi. Et en gros, tu te faisais déchirer. C'est pas une... on est un milliard sur cette dans cette ville. C'est pas c'est formel. C'est formel. C'est pas moi. C'est formel, c'est toi. C'est pas moi. Pardon. C'est fou ça, tu vois pas que j'ai le teint mat? Oui, bah oh, du racisme. Donc quand on a le teint mat, on a pas le droit de faire de l'amour. Et sur la vidéo, elle est blanche. Bah non, mais ah, donc y'a que les blancs qui font de l'amour. Bon, non, mais ça. Quoi, non, mais ça, c'est. Non, mais ça, c'est. Non, mais là, c'est au pédale qu'il faut la charité. Hein, je... Là, je suis pas la sale meuf. Hein. Bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah, donc ceux qui font de l'amour, ils sont sales. Tu crois comment t'es né? Hein? Hein? Mais j'assume. J'assume, mais c'est pas moi. Mais t'es né avec de l'amour? Mais bah oui. Pas le contraire, je gagne avec tout le monde. Mais là, c'est pas moi. Oui. Ça avait été moi, j'aurais assumé. D'accord, bah oui, bah c'est honnête. Bah oui, bah c'est très. Ok. Et le tatouage, hein, sur le cou. Hein, le tatouage. Ouais, il y est. Vas-y, ressors le gif, ressors-le. Ouais. Attends. Attends, faut que je le retrouve. Attends. Vas-y, retrouve-le. Ah, tu l'as supprimé. Non. Ah, tu l'as fait faire supprimer. Mais c'est pas moi, Youngtse. C'est toi. Je te dis que c'est pas moi. Bon, moi, mais je le sais, mais t'inquiète, tu fais ce que tu veux. Moi, c'était pour juste pour te prévenir, moi. Non, mais je le sais. Ah, c'est pas moi. Je vais faire tourner ça sur tous les réseaux là. Tu vas faire tourner quoi? Je vais retourner la vidéo là. Les boutiques, les stérios, les... Je veux dire que c'est toi. Merci pour les bits, Paloku, et merci Yacine. De complices de terroristes. Bah là, ouais, en fait, ils sont tous complices finalement. Il y a des sacrés terroristes, hein. C'est. Ok. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un de vos gars. Si vous voulez récupérer sa 5000A 07 pour la SD. Discat, j'écoute. Vous êtes bien sur le toit, 67. Discat. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a actuellement un individu qui est passé vers la porte. Ah. Il est actuellement habillé avec une veste bleue claire. Apparemment, il y a pas de temps que ça. À part Adriana, je vois pas. What? Il y a trop de monde. De notre gueule, ils ont dit qu'il y avait du C4 avec un otage. Ouais, Discat. Y'a le mec avec la veste bleue, c'est Cube. Et le mec veste bleue, c'est pas Cube. Enfin, le potentiellement, entre guillemets. Non, je crois pas. Il avait un costard, lui, non? Costard gris. C'était bleu, enfin, c'était un chemise bleue. Dans tous les cas, dites-vous que toutes les entrées sorties, il faut qu'on les boucle. Attends, la capitaine, pour l'autre rayon. Tiens, Seamus. Tous les véhicules regardent dans la même direction et sont garés de la même manière, je pense qu'il faudra un peu... Non, il était... Ah! On dit ASD ou ASV? ASD. C'est bon, Seamus. 39 pour ASD, il était de quel teint de peau? 39 pour ASD? Je crois pas qu'il y ait une ASD, je sais pas, ils viennent, ils partent, je crois qu'ils sont partis les fuel. Je la vois pas au-dessus, mais je l'entends pas. Ah. 37 à cette suite. Ouais, mais ils sont. Oui. Mais ils étaient là il y a 2 secondes là. Bah ouais, mais je sais pas. Ils viennent donner une info il y a 2 secondes. Mais c'est qui? C'était qui dans la SD? Je sais rien moi. Attends, laisse-moi essayer de voir. Ça peut être 17, non, pas 17-08. Bah en vrai, je crois pas qu'il y en ait un. Mais je te jure qu'il y en a. Ah, parfait. Mais oui, capitaine. Monsieur Dame, vérifiez bien que vous êtes tous plein. Ouais. La SD, c'est qui? C'est 67. 39 pour 67. Il est solo, toi. Il est solo? Discat, j'écoute. Il était de quel teint de peau?
J'ai pas réussi à voir son teint de peau, par contre sa tenue c'était pas belge avec un haut bleu. 10-4, merci. Il a vraiment passé qu'une demi-seconde. Hein. Ok, merci. Ah bah je pense que c'est lui les gars. Moi je pense que c'était Cube. Ok. Bah donc et le fait de savoir que c'est Cube normalement. Et bah ok, donc la porte elle est pas piégée alors. C'est pas votre toit et il surveille enfin. Juste. Il y a des personnes qui ont besoin de bidons d'essence, je suis au poste, c'est maintenant. C'est terrible. C'est le def. Madame 09. C'est Gemus ça, mais il a changé Gemus. Tiens, ça colle 4. Là, tu récupères la mienne. Prends-en un ou deux. Ah, c'est Gemus. Jamais, ça peut servir pour la BCSO ou quoi. Deuxième, ça va pas te parler. C'est un train des balles de. Mais c'est qui Cube? Oh, ouais, bah, nous aussi pour Madame 06. Faut suivre les lives après. Hein. Oh là là. C'est un grand méchant. 09 à ce trace, la BCSO est sur les lignes. Dites-leur de venir à Radio 1 pour pas que ça fasse. Oh, t'es aigri, Tobias. Oui. 4 parfait. Les personnes sur le toit de la banque, vous pouvez descendre ou pas? Il a dit qu'il allait mettre du C4 avec un otage, si la porte s'ouvre, elle explose. Il n'y a plus personne en haut. Premièrement, c'est l'hélico, il surveille juste 95 ans. J'ai envie qu'il y ait des mecs sur le toit. Je veux juste personne sur le toit. Non, mais si jamais elle est condamnée, on va pas mettre personne sur le toit. Si jamais elle est pas condamnée, on va mettre des gens sur le toit. Il y a des gens à la ruchelle sur le toit, je veux qu'ils descendent, c'est tout. Ok, est-ce que la porte est condamnée, oui ou non? Elle est condamnée, ouais. Elle est condamnée, mais pourquoi il y a un mec sorti avec une veste bleue par la porte du toit? Je dis recule parce qu'on va être trop devant. Ah, c'est un mec. Bah, elle est condamnée de l'extérieur. Je peux très bien d'ouvrir de l'extérieur. En fait, tu veux qu'on négocie, mais tu pars sur des bases de mensonges. Donc, soit tu dis la vérité. Je veux négocier. Il a raison. Ah oui, très bien, je veux négocier. Mais elle est condamnée. Je veux négocier, mais le problème, c'est que vous voulez mentir. C'est ça le souci. Non, justement. C'est vous là. Je veux négocier, t'as vu? Y'a pas de problème, je veux négocier, mais ça me fait des assauts par derrière. Attendez, monsieur. Mais y a pas. Vous savez ce que c'est un assaut? C'est ce qu'on a un assaut? Il y a une équipe surarmée. Laisse-moi parler. Il y a une équipe surarmée qui est rentrée par derrière pour nous éteindre. Non, absolument pas. Je vois pas. C'est moi. 95. On s'est trompé de bâtiment. Ça se trompe de bâtiment. On s'est trompé de bâtiment. En gros, il y avait la porte. Le speedy. On parle de la plus grosse banque de Los Santos. Tu me dis que tu t'es trompé de bâtiment? Oui, on savait pas qu'il y avait une porte qui d'en haut qui menait à la banque. What? Ça marche. Bon, en tout cas, plus personne sur le toit. C'est tout ce que je demande. Mais c'est quoi ce bug, wesh? Y'a des cailloux qui tombent aussi. 95, attends, allô. Voilà. Oh. On descend si la porte elle est condamnée. Voilà. La porte elle est condamnée ou pas? La porte, parce y'a du C4 dessus. Si, y'a du C4 que, sur la porte. Y'a du C4 que, sur la porte. Parce que je vois le truc arriver, elle est condamnée pour nous, mais pas pour vous, et vous barrez pas en haut. Donc on veut pas se faire niquer, elle est condamnée pour vous ou pas? J'ai dit, je cite, y'a du C4 sur la porte. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, y'a du C4 qui a été mis. Tout, t'essaies d'ouvrir la porte, ça explose, ok? C'est facile. Si eux ils vont désamorcer le C4, ils vont sortir par derrière. Donc on va mettre des unités sur le toit. C'est mort alors? Donc j'abats un otage. Non, arrête, c'est simple. Axel, merci pour deuxième mois. Ça fait trois fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent sortir par le toit et nous non? Mais regardez, attends. C'est qui? Ils ont les otages, on s'en fout, ils ont les otages. Les non-négociateurs, les gars. Soyez un peu organisés. C'est moi qui parle. 39, vous reculez. C'est moi qui parle. Du coup, tu pourras pas sortir par en haut. On est d'accord que c'est fermé. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a du C4 sur le toit. Tu vois, c'est ça le truc. Là, le problème, c'est que je vais sortir par en haut. Cube, il est en full blanc. Ouais, mais au cas où, on prend tous les paramètres, c'est normal. On est à Vainwood, des toits, ouais. T'en as partout, je vois pas, qu'est-ce que tu vas te placer mais sur d'autres toits. Pourquoi tu te places sur le toit de la banque, je comprends pas. La crie Young Fou. Moi ça me dérange. Voilà les gars, dès qu'il y a un problème, on va dire c'est moi, et après on voit qui c'est. Je peux comprendre que je suis pas. Mais d'abord c'est moi. Logique, évident. D'abord c'est Young Fou, après on voit c'est qui réellement. Ça me pose pas de problème. Là, à l'heure actuelle, il essaie de me couiller une fois, je peux plus te faire confiance. Donc là, les gens qui sont sur le toit. La porte, elle est condamnée, ça fait rien si on est sur le toit. Bah oui, elle est condamnée, la porte. On avait pas dit ça. Dans le doute, c'est Young Fou. Pardon, vas-y, squat. Si elle est condamnée, tu t'en fous qu'il y a des mecs sur le toit, c'est ce que je t'explique tout à l'heure. En fait, on sécurise, monsieur, le bâtiment. C'est sécurisé. À aucun moment, on fera un assaut. Moi, si j'ai pas envie que le bâtiment soit sécurisé, il sera pas sécurisé. Moi, je vous explique. Il y a des gens sur un mât à l'intérieur, il sera jamais sécurisé dans mon bâtiment. Attendez, il y a des gens sur le toit ou sur terre. Ouais. Écoutez, si on voulait faire un assaut, il y aurait pas 45 000 agents sur le terrain. D'accord? Là, s'ils sont en haut, c'est juste. Mais vous avez déjà essayé de le faire une fois, donc probablement. Non, on n'a jamais essayé de faire un assaut, monsieur. On est juste en train de sécuriser le bâtiment. Tu sais quoi? On va leur dire de descendre et tu pourras nous ramener un otage. Dis-leur de descendre. Ça te va? Ils vont descendre et je veux un otage en contrepartie. Mais il y a ma classe, ils vont descendre.
Vas-y. Descendez sur le toit, descendez s'il vous plaît. Continuez à surveiller la porte par contre, on n'a pas le choix. Étant donné que vous êtes en Henri, vous changez juste de toit mais vous gardez un accès. Je vais mentir, faites rien, d'accord? Je répète, je vais mentir, ne faites rien. Marche. 113, ben mettez des snipers qui visent la porte d'en face. Et si jamais il y en a un qui sort par là, vous le descendez, d'accord? C'est bon, il y a un otage qui arrive. Ils vont être enlevés les... Mais lui avec de la graille dans la bouche, il négocie. Ça c'est pas mal. Bon rattrapage. Je négocie pas, je parle pas avec toi là. Je parle à mes collègues. Avec toi. On va vérifier si la personne sur toi déjà. Non, t'inquiète, on va mettre des snipers. Pas des flics avec de la. Tu veux mettre quoi? On va aller sur les toits d'en face, on va mettre des tireurs d'élite. Il a raison! Il y aura personne devant la porte! Si jamais il y a un mec qui sort, eh ben on va la battre. Ça va être simple, je vais prendre les otages, je vais leur mettre des masques, vous allez les abattre à la place. Mais personne veut sortir, personne veut sortir par là de toute façon, on s'en fout! Mais c'est quoi, on est en train de jouer à celui qui a le plus de grosses couilles? Mais vous faites monter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est toi qui manque la pression! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi je t'ai dit, il y a des gens. Tu t'attaques à une banque, donc prépare-toi à ce que. Ah, elle abuse! On parle pas d'une super. Oh, j'ai encore tombé dans le sol là! C'est bon, ils sont en place les tireurs d'élite. Oh, mais c'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug de psychopathe là? Pour moi, c'est encore plus fou. Je risque ma peau là, on parle de risquer ma peau. Regardez que je vais s'y passer de pompe, ta grand-mère! Ils veulent la faire à la case des papels! Recule! Chémus, recule! Je joue pas avec mes couilles toi! Putain! Non, c'est bon! Fils de chien! Retournez derrière les riottes! On se calme, on se calme! Mettre une boule à zéro, toi! Arrête de viser, toi! Chémus, Yung Fu, 113 derrière les riottes! Y'a tout le monde qui va reculer parce que vous êtes en train d'entraver une opération! Y'a un négociateur, après y'en a deux, après y'en a trois! Un seul négociateur, y'en a pas 40! Ne inquiétez pas, allez, on retourne tous derrière les riottes! Mets un peu d'or dans tes gages, mets un peu d'or dans les miens déjà! Je vais aller voir! S'il vous plaît, on s'occupe des entrées aussi! Attendez, moi les gars, je dis rien, je peux rester là, ça va! Je t'aurais dégoûté! Y'a le mec qui arrive, occupez-vous deux, si vous. La casa de la Hesse! J'allais vous appeler mon commandant, vous vous rendez compte? Mais si je l'attrape... Donc vous venez ici. Derrière les rayons, j'ai dit. Non mais c'est pour entendre, Moi je dis rien, Vous dites à la personne de parler plus fort. Bon, allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous parler plus fort? Comme ça, derrière le camion, ils entendent tout. C'est vite que tout le monde se mette devant. Merci beaucoup. Non mais quand vous parlez, t'as compris quoi. Tu parles un peu plus fort. Enfin, les mecs, c'est chez toi. Et tu crois que t'aimes bien? J'ai analysé un peu, capitaine. Alors, t'as analysé beaucoup. Il y a beaucoup de fautes dans les deux camps là. Dans la LSPD, il y a des fautes là. Et on a fauté dans le sens qu'on est rentré. Et maintenant, là, le problème, c'est que eux. Ils ont abattre l'otage trop facile. Dans le sens que ils veulent pas négocier. Ils ont rien à perdre. Donc je pense qu'il faut leur montrer que nous aussi pas on a pas rien à perdre, mais que voilà. Eh ben on va faire un assaut alors. T'as pas mis ton petit truc. Non mais je dis pas ça, mais en fait ils sont pas très ouverts quoi. C'est ça, en fait ça m'étonnerait même pas. Ils sont butés en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, capitaine, ça m'étonnerait même pas que justement ils cherchent l'assaut. C'est ça en fait. À tout moment ça m'étonnerait vraiment pas parce que pour le coup ils étaient depuis le début ils sont sur l'agressive. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils s'attendent que ça. Justement, c'est soit en fait, c'est soit tout rien, c'est soit on est totalement d'accord avec eux, soit justement rien. Ouais, mais c'est souvent compte. Comme ça qu'on est. Est-ce qu'avec avec 67, non, c'est pas putain, mais c'est 99. 99, Rachid, bah oui. Est-ce qu'on peut aller juste pas derrière la porte, mais il y a un bâtiment juste en face pour regarder de loin? Enfin, on va faire le rôle de sniper quoi, en gros, semblant. Mais il y a un hélico déjà de sortie. Il y a un hélico, ouais, c'est ça. Ouais, mais donne zéro info. Après, ce qu'on peut faire, ah oui, c'est vrai. 39, si ça te chauffe, on va essayer de check dans la rue à l'arrière et tout, genre en voiture. Vas-y, on passe rapide. Vas-y. On va check, capitaine, d'accord? Allez-y. Okay. Viens, prendre. Ouais, bah c'est elle. Viens. Ouais, la banalisée? Non, elle, c'est good. Vas-y. Je cherchais juste ma caisse. C'est bon, t'es retiré pour le temps? Mais je t'ai dit, je sais que t'aimes pas quoi, trop de gens. Genre. Comment ça? Ah, j'ai pas capté tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Ouais, bah genre, quand t'as trop de monde, genre, les gens ils sont aigris, entre guillemets. Non, même pas. Non, là, j'ai pas. Oh. J'ai dit une phrase, on m'a renvoyé bouler un peu. Ouais, bah c'est ça, c'est pour ça, donc en vrai. Non, ouais, mais bon. Je crois que je peux t'extraire. Non, t'inquiète, t'as bon. Ça va, ça fait plaisir. Capitaine, vous avez entendu? Mais si, attends, recule, on va essayer de check le Camacho. Non, je vais check. Oui, mais on a même pas check le coffre. Je vais check, non, je vais check tout. Attends. Voilà. Celle-là, là.
Elle, elle est vide, j'ai... Bah en vrai c'est une... Pour moi tout le monde est suspect là dans la zone hein. Bah t'as raison. Bah oui. Mais là attends. Pour le coup... Moi tout ce qui est mal garé je fous un sabot, rien à foutre. C'est... On est de la police quoi. Y'a quelqu'un dans la voiture ? Non, j'ai pas l'impression. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est mal garée depuis tout à l'heure pour le coup. Mets un sabot. T'as un sabot ? J'ai pas de sabot. Ouais, tiens. T'en as ? Tiens, ouais, tiens, mets-le toi. Régale-toi. Ah ouais, pourquoi c'est stylé de mettre un sabot ? Bah non, bah attends. Tu veux le mettre ou tu veux le mettre ? Bah tiens, essaye. Vas-y, comme tu veux. Bah ouais, attends, comment on fout le sabot là ? Comment on fout ? Fous bah, fils de chien va. Tu l'utilises sur la route, tu le fous. Ah dessus. Oui, en gros, ouais, oui, voilà. Je... Ah ouais. Oui, j'en avais une fois là, y'a pas longtemps là. Ah, je fous le sabot là. Oh là. Ah, ouais, voilà. C'est lourd. Il est grave moche le sabot, pas. Ouais, il est grave moche. Bon, par contre, ils savent quand y'a des gens sur le toit. Ça veut dire qu'ils ont quelqu'un. De la banque en dessous, il n'y a pas de passage, un truc comme ça pour qu'ils se barrent les non, mecs. Non, justement, ils savent pas, justement, ça fait depuis tout à l'heure qu'il n'y a plus personne sur le toit. Mais si, le seul passage, c'est ici. Ils avaient dit on veut personne sur le toit. Oui, mais du coup, ils l'ont dit tout à l'heure quand nous on était en haut. Et sinon, depuis tout à l'heure, ils le disent alors qu'il n'y a personne sur le toit. Ah ouais, c'est pour ça qu'on avait mis des agents en haut. Et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé. Mais dans tous les cas, si ça part par l'arrière, c'est dans notre avantage. Attends. Il va y avoir une partie des méchants qui vont partir par devant. Et la partie des méchants qui vont partir par devant, ça va être les Starios et tout, tu vois. Et une partie par derrière qui va partir, et la partie par derrière c'est genre les grosses têtes en mode. Les gars, pour moi, y'a que ce toit là qui peut être accessible, à droite là, le gros. On a des véhicules derrière ou pas ? On a la SD qui surveille. On a juste les. En fait, en gros, nous y'a eu un quiproquo parce qu'il nous a dit je condamne la porte avec du C4 et tout, alors qu'il n'y a pas eu de bruit de C4, y'a rien. Y'a pas au courant de tout ça, moi. Ouais. Frère, ils ont même pas de C4, je suis sûr qu'ils ont même pas de C4. Alors, si jamais, au niveau du toit là-haut, y'a l'ASD qui surveille et la porte. Vas-y, go, on va retourner. Il y a une unité qui surveille. Ah, gars, fais gaffe aux barrières, ouais, voilà. Voilà, donc c'est la seule issue de c'est ça là, la porte oui. Derrière. C'est des connards. Oui. Fais le tour. Okay, non, et sur le toit, ils vont pas se barrer en hélico, les mecs. Ah. Ils avaient un cabochon en bas, un cabochon auquel j'ai mis sabot. Mais il faut pas que je leur dise ça. Encore une fois, l'ASD qui surveille la porte en haut ne suffit pas. Parce que, ok, ils surveillent, mais si jamais il y a aucune unité qui est prête à aller derrière pour les poursuivre, ça sert à rien. Pour ça, parce qu'il faut des unités derrière au cas où. Donc, attends, quand tu dis derrière, c'est la porte qui est à droite là. Ouais, mais vous voyez bien qu'il y a des voitures de partout. Ouais, mais je pensais que je pouvais passer derrière quoi. Vous êtes ? Non, vous faites le tour. Ok. Et vous êtes ? Je suis J. Moi j'avais dit de mettre des unités sur la porte de derrière là-bas là. Ouais, je sais pas fait exprès. Ouais, non, je sais, mais. T'inquiète, régale-toi, mon frère. Du coup, information supplémentaire, on a du coup, comme vous le savez, Caleb à l'intérieur. Il faut qu'il réponde. Il a envoyé plusieurs messages à nos collègues en disant qu'il n'avait plus rien à perdre. Et, c'est pas moi. Pour les c'est pas moi. Ok. Calmez-vous, calme. Ah, 02, je voulais dire un truc d'ailleurs, par rapport à la vidéo sur Twitter, je sais pas si t'as vu. C'est pas moi. Pourquoi l'a dégradé? Pourquoi l'a dégradé, il a dit. Je leur dis, vous... Ah, fout. Ouais. Pourquoi elle a un dégradé, ta collègue? Je sais pas, elle s'est fait agresser par une chèvre. Moi aussi, Attends, j'écoute, attends. Qui m'a dit la fin d'une vie par vengeance. Pourquoi je vois pas les gens, wesh? Elle me dit bizarre, elle me sortit en hélico, tu vois. Je vois pas les gens, wesh, les gars. What? Wesh. Du coup, il faut une unité derrière la banque, s'il vous plaît. Oui. Mais vous êtes fou, messieurs, vous avez sauté mais au terre, messieurs. Mais c'est illégal. Oui, excusez-moi, oui. Attendez, vous pouvez sortir du périmètre, s'il vous plaît, monsieur. Où est-ce du périmètre, excusez-moi. Oui, merci. Qu'un agent peut venir avec moi pour aller à l'arrière. C4 Est-ce que tu là bah, c'est parce que j'ai pas en fait des fois ça. Les gars, on a créé un truc de mauvais là. On dirait NS. Et en plus il lâche un métro, on a créé un truc de mauvais de ouf. Ouais. On aurait besoin que quelqu'un aille pour l'alimentation. Il est où qu'Archid, il est là. Ah Zarmen, c'est l'île de Chris dans le camion là. C'est vrai que ça risque de causer un gros blackout. Ça risque peut-être après à vous de faire un ça va 45. D'avoir des autorités compétentes. Juste de le débrancher. Capitaine, je voulais que je me mette au niveau du Camacho. On va trouver un point stratégique pour vous. Faire ça va causer un blackout. Pour toute la ville en général, vu la sécurisation de la banque. Bon, le problème, c'est qu'avec les hôpitaux, ça fout le bordel. Donc on vous demande au moins de libérer pour ça
Ah c'est 30. Non mais comme je disais là tout à l'heure, déjà pour les otages 30, ça va. Pour les personnes là, vous étiez, là, vous étiez, là, là, 30 ça va. Je crois que ça a pas été. Eh 30 capitaine, vous êtes où? Je vais aller le voir, je vais le j'étais derrière, j'arrive. Moi ça marche. Moi je me renseigne pour le... Essayez de savoir combien de temps ça dure. D'accord. Très longtemps, c'est inutile. Si ça dure très longtemps, de quoi? Bah c'est ça le problème. Ah ma mission, c'est vrai. 7-8 ouais. J'ai une mission d'après le capitaine, mais cherche 113, tu sais pas où il est? Ils sont derrière, je crois. Il est avec le capitaine, ils arrivent. Regarde derrière toi. Ah bah s'il est avec le capitaine, c'est bon alors. Ok. Ah, force. Merci. Ah, y'a pas que moi! Non, non, y'a tout le monde. Ok, ok. Et voyez pour l'otage, s'il vous plaît. Bon, alors, je vous fais un topo. Vous voyez sud-est là? Y'a pas que moi, les gars, en fait. Sud-est de ma position. Apparemment, il y aurait comme un poste électrique là-bas. Et ils veulent couper l'électricité de la banque. C'est ça leur demande là. J'ai pas trop compris. Ils veulent créer un blackout dans la ville. Je vois. Wesh! Ouais, un blackout d'au moins 15 minutes quoi. Pour ça, moi je propose qu'on demande deux otages. Quand même, on peut faire ça. C'est, pas c'est une dinguerie ça! On va pas couper l'électricité de la ville quand même. Non, non, mais non, c'est pas ici, c'est pas la banque qui génère la ville. La banque, oui, on peut couper. Voilà, mais j'ai pas compris. Dites-leur, oui, on peut couper l'électricité de la banque s'ils veulent. Ça va, rien ça va finir en gros, gros assaut. Hein. Rien que les véhicules, ils foutent la haine. Hein. Je vois un Rebla, une Komoda. Capitaine, venez voir. Je crois que c'est un Cayenne là. Il y a deux Novak. Ah, il y a des putains qui Astlon. C'est un Astlon, Riz. Ils ont pris que des véhicules de racistes. C'est Rebla Tier. Pire, c'est vraiment pire. Vous voulez pas sortir des bécanes, non? Les motos elles sont pas assez adaptées des nôtres. T'as un camper sur toi là? Ah, moi j'en ai une, si tu veux. Je l'ai pas sur moi. Est-ce qu'un blackout non, engendre, engendre pas de radio du coup? C'est dans ma banque. C'est juste dans la banque, c'est juste s'il vous plaît. Donc je vais leur demander pour couper le courant du. Ça prendra combien de temps, vous pensez, 07? Ça va couper le courant combien de temps? 10 minutes, 15 minutes? Entre 10 et 15 minutes, ouais. Ah, ils ont mis la nuit! Uniquement la banque, rien autour. Ça va être stylé! Uniquement la banque, ça marche. Oui, entre 10 et 15 minutes. Ils ont mis la nuit? Ouais, ça marche. Ah, ils ont mis le jour. Putain, pour libérer notre otage. Ah, merde. Voilà. Ah. Non, moi j'ai pas de problème. J'en peux plus, frère. Il est lourd ou il est pas lourd? Bah, il m'a l'air le lourd, comme celui que j'ai. De base. Venir derrière les rayons, s'il vous plaît. Oh mon dieu! Y'a plus d'électricité? Les gyros. Oh mon dieu! Non, non, c'est bon, parce que j'ai besoin de vous surveiller devant, parce que comme il y avait un blackout, au cas où. Je sais pas où vous étiez, mais j'ai besoin de vous, quoi. Hein? Bonsoir! C'est quoi la suite là? Y'a Yungfu? La suite, tu vas l'avoir bien vite, on fait pas. Ah ouais? Ça me fait trop rire de savoir la suite. Tu peux pas savoir comment j'ai hâte. T'as hâte, tu vois, t'as hâte, hein. Ah, la suite! Y'a pas trop hâte, s'il te plaît, j'ai fini ta soirée à l'hôpital. Eh! Ah oui, hein. Ah, moi j'annonce. Il voulait quoi? T'as entendu des trucs, des infos, quelque chose? Bah, je suis pas une poucave. Ici, il vient de dire un truc là, Riz. Des trucs. Tiens, essaye ça. Attends. Il doit rester accroché, quoi. Attends. 39.07. Je le ferai. C'est tout? J'arrive, je vérifie un truc derrière. Ah, ok. Hey, il vient de dire que on risque de finir la soirée à l'hôpital, donc je pense que l'assaut va être est confirmé quoi. Il veut. Quoi justement, viens voir, attends, viens voir. Ils veulent hein quoi. En fait, bah c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. En fait, il y a plein de gens du coup qui veulent se venger du LSPD. Oh là, fils de chien. Oui Rachid. Tu testes ou pas? En fait, du coup, je te disais, il y a plein de gens en fait qui veulent se venger du LSPD. Donc à tout moment, il y a du coup l'équipe comme Adjeris de Cube et tout les grosses têtes qui s'en vont. Mm-hmm. Et une autre du coup qui reste à la banque au vu de. Ah. C'est pour ça. Mais pourquoi les grosses têtes resteraient justement? C'est débile. Bah non, les grosses têtes partiront justement, s'enfuiront. Okay, et autant pour un petit peu qui veulent se venger et en profiteront pour Fall, tu vois. Ah oui. Mais honnêtement, niveau armement, je crois qu'on s'est baisé. Hein. Il y a des AKU, il y a le mini fusil de précision. Hein. Je pense aussi, ouais. Je pense. Là, dis-toi que. Dans la banque, il a dis-toi qu'il y a AK, mini fusil de précision, c'est pire qu'un pompe. Ouais, une balle, t'es fini. Non, mais ça va être rage, retenez bien, il reste 4 otages à l'intérieur. Capitaine. Ils se sont tous barrés à l'intérieur et l'autre. Est-ce qu'en cas d'assaut, vous pensez qu'on peut réellement riposter? Préparez-vous, je sais pas ce qui va se passer, les gars. C'est quoi cette question? Okay. Vas-y, viens, courage, frère. Non, non, oui, je vais tout donner, mais bon.
Yacine, merci pour le sub. Les gars, ça va commencer. Les gars, préparez-vous. Sortez les popcorn. On va faire un topo. Ça va commencer, les gars, enfin. Réveillez-vous, les gars, réveillez-vous. Ouais. Tout le monde, venez. Tu m'appelles comment? À part ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. Ça le pute, prends un gros ventre comme ça. Ok, bah vas-y, barre-toi là. T'es enceinte? Ok, j'ai tout le monde. Ouais, c'est bon, tout le monde est là. Ok, on va faire 3 équipes. Ma soeur est une flûte. Parce qu'il y a le toit aussi, il faut rentrer par le toit. D'accord? Équipe Reese à ma droite, équipe 7-8 à ma gauche, et équipe 9-5 devant moi. Y'a pas équipe Yongfu? Non. Yongfu, vous allez. Alors. Là. Quand je dis 1, c'est Reese, quand je dis 2, c'est 7-8, et quand je dis 3, c'est 95, d'accord? Très bien. Ok. Ok, 1, 2, 1, c'est Reese. L'année derrière lui à chaque fois, 3, 1, c'est Reese. 2, attends, moi je suis au milieu, moi. C'est qui 3? 1, c'est vous 3? 3, c'est 95. Ah, d'accord. C'est moi. Vas-y. 3, attends, viens, on se décale Reese, parce qu'on va être collé à 95. 2, on va faire quoi là? 1, je sais pas. C'est Reese, cerise. C'est vous un? Ouais. Je crois, ouais. Ok. Vas-y, mettez-vous derrière que je vois à peu près. J'ai tout le monde là, c'est... Mais c'est quoi cette équipe 37. De losers? Mais non, t'inquiète. T'as les meilleurs là, Reese. Et vous, bah, vous restez là, hein, vous êtes enceinte. Hein. Et 37, 95 aussi. 37, Charlie, c'est pareil pour toi. 30 ton arme. Charlie aussi, elle est où? Ton arme, je peux la prendre 30. Elle est là! Ok, on fait quoi là, 07 qui passe okay, par là? Alors, il me faut une équipe qui va rentrer par la porte devant, une équipe qui va rentrer par la porte côté est, et une équipe qui va monter sur le toit. Okay, okay, intervenir. Côté main, d'accord, je prends la porte côté est. Côté est, c'est bon. Vous moi, je suis déjà passé par le toit. Je suis déjà passé sur le toit, moi, donc je connais. Ok, vous irez sur l'équipe du toit, d'accord? Ouh, et okay, vous aurez. Sorte, hein. Et 54 et. Les gars, le toit, c'est pas mal, hein! Vous serez avec l'équipe de Reese, il va vous expliquer si besoin, d'accord? Le toit, les gars, c'est incroyable, hein! C'est bon? Et vous nous serez guide de toi. L'équipe elle est miteuse. C'est parfait. Ouais, l'équipe a fait peur, hein. Mais. Comment ça, les gars? Vous avez pas confiance en nous? Par contre, le toit ça va être vraiment hard parce qu'on rentre direct pour de vrai. Hein. Bon, de vrai. Les autres, par contre, il y a un truc. C'est que nous, carré. Quand on passe par le toit, on est directement en contact avec eux. Donc ça veut dire que d'abord, il faudra que les équipes qui partent en bas. Nous on va commencer et après. Voilà, vous passez en premier et quand vous avez chopé l'aggro, vous m'écoutez ou pas? Ouais. Et quand vous avez chopé l'aggro, il a raison. C'est là que nous on pourra... Comme ça on les prend par surprise. Ouais. Hey. Y'en a un de vous là qui appelle 54 pour lui faire le topo, s'il vous plaît. J'ai pas son numéro. On est arrivé pour un renfort, mais on sait pas où on doit aller. Venez devant la banque. Dans tous les riots. On a pas de bouclier, les gars? Par hasard? Non, on a rien. Mais les gars, vous connaissez bien là-haut. Bon, en tout cas, je vais vous briefer. On a un pompe et que des Beretta. Parce que tout repose sur ceux qui connaissent. On a pas d'armoto. Ah oui, oui, faites gaffe, c'est très serré là-haut, c'est les bureaux, je crois, là, on arrive. Ouais. Ah ouais. Donc pas de tirallier. Il faut former une colonne, faut dire l'ordre et tout, comme ça. Logiquement, le pompe en premier, du coup. Ouais. Après, les plus forts, donc moi je pense que j'irai en deuxième. Ah ouais, carrément. Donc après 0-2 et après le reste du monde derrière, voilà quoi. Je regarde. C'est juste tout ce qu'il faut faire, faut en couvrir Reese. Là où ça va être compliqué, enfin là ça va être technique, c'est que quand on sera dedans, il faudra pas que vous parliez du tout. Ah oui, bah oui, parce que là faut aller prendre en discrétion. Il faudra que tu fasses des signes là, genre en mode avancer. Ouais, bah ouais, je vais essayer, bon. Oh non. Oh non. Ah mais ça va être dur. Attendez, j'arrive. C'est qu'il faudrait une auto. 30. Alors, vous m'entendez, radio? Je peux avoir ton arme d'assaut? Je cite, on va préparer notre demande et on revient vers vous. Ça pue. Isolé. Vous avez vu l'exemplaire là qui rentre à fond de balle derrière? Il y en a plein qui tombent depuis tout à l'heure. Faut que je te parle. Si vous avez besoin de voir les médecins, ne serait-ce que pour un petit bobo, allez les voir maintenant et me dites pas la dernière minute, sinon je vous viens. On va les prendre par surprise, Reese. Surprise, Reese. Les gars, vous avez pas besoin de soins? Non, bon, non, merci. Okay. Est-ce que les équipes vont se mettre en position, capitaine? Ah bah. Moi, ce que je vous conseille dans l'équipe. Donc, go, on y va. On monte sur le côté. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se mettre en position. Oui, d'accord, vous savez par où passer, je vous laisse. On y va maintenant? On y va là, ça y est? C'est bon? Bah, je sais pas quand ça compte, mais oui, commencez à aller de l'autre côté. Oui, mais attendez, capitaine. Mettez tous vos téléphones en mode avion, s'il vous plaît. Bah, faites le tour. En gros, au plein assaut, c'est sûr ou. Bah, je préfère.
pas de code moral. Vu comment ça part là, ça va partir en assaut. Mais ouais. On sait jamais, ok. Donc on se prépare, mais on n'entre pas en mode assaut pour le moment. Ok, préparez-vous. Ok, bon allez, vous me suivez. Vous me suivez, vous sprintez pas, vous courez, vous trottinez, trottinez. Apprenez à trottiner. Apprenez à trottiner, non, là tu sprintes là. Mais pourquoi ça fait ça? Oh là, c'est relou. Comment... Que tu demandes. Il faut juste que tu trottines une fois, et après c'est bon. Ah ouais, bah non, j'ai du mal. Normalement, si t'avances, j'ai bien dispatché, vous avez tout un coup de trottiner. Ah, c'est bon! Ah oui! Ah, on va faire nos demandes, pourquoi et on revient vers vous, bon du coup on attend qu'ils reviennent vers nous. Ah ouais? Donc restez bien en position. Oh, mais attends, mais quoi? Et restez bien. Faut appuyer deux fois? Pourquoi au niveau de l'équipe 2, on est que 4 là? T'as lampe torche, frérot, en face. Niveau de la porte, tu sais, sur le côté. Ah oui, je vous vois, pas pour moi. Vous en cramez, passez par derrière, Riz. Je travaille de l'armoire qui est en veut. Ils s'en fout quoi. Toutes les unités, vous m'entendez les unités? S4. Eh, le LSPD, on va les baiser ces bâtards, c'est bon? Attendez, on est là pour les interpeller. Ils sont en opération suicide. Ils ressortent. 09 à 54 du coup. Restez grave à l'affût parce que là ils savent, on sait jamais. Si jamais tu veux joindre à nous ou une autre. Faut faire attention s'ils sont pas déjà down. La SD ils peuvent regarder. Avec vous par le capitaine, juste dites-moi où vous rassemblez. Là on est déjà sur le toit, on passe par les escaliers derrière là. Tant que t'as pas d'infos, compte sur toi-même, d'accord? Attends, okay. Riz, on attend juste deux unités supplémentaires. Bah là je compte sur toi comme t'es devant. Pour l'instant y'a personne, ouais. Arrêtez-vous là. Quand y'aura l'assaut, faudra se faire oublier. Avant d'attaquer. On attend deux unités en plus là? Ouais, il y a deux personnes qui arrivent. Ok. Déjà, vous la voyez la porte là? Elle est où? Ah, c'est la porte là-bas là? Ouais. On a juste à traverser là un peu. Mais par contre, regardez, notre protection là, quand on est devant la porte, ça va être la grosse turbine là. Okay. Donc ne vous approchez pas direct. On se planque derrière la grosse turbine avant d'y aller. Bah, en soi, si on voit personne. L'équipe Paris, c'est l'équipe 2, c'est ça? Une. L'équipe 1. Et ils vous ont vu aller derrière, ils ont dit ouais, on veut pas les voir là-bas, nanani, nanana. Donc là, il y a clairement quelque chose vers là-bas. S'il vous plaît, vous revenez, je sais pas, vous laissez une personne non, derrière. Non, on n'est pas sur le toit de la banque, on est sur les toits à côté comme il nous a dit. Mais en face, c'est qui? Des mecs à nous? C'est qui en face là? Okay. Mais oui, c'est des mecs à eux en face là. Non, c'est nous. Chez nous, ils font des appels de phare. Ouais, c'est nous. Attends, regarde, je confirme. Ouais, c'est chez nous. Non, il a les cheveux bleus, c'est pas le mec. C'est chez nous. C'est 0-1. C'est la SD, non? C'est 0-1. Ok, vous venez? Et le bon toit là? Appelez le collègue derrière là. Continuez. 67! Mais du coup, ils ont des pookies là sur le toit? Ils sont où? Il a dit, il attend les autres. Mais imaginez, il y a une taupe au LSPG. Et qui lui donne les infos. Attends, on s'en fout, on réglera ça après. On va se mettre là juste. T'as vu là en bas là? On va se mettre juste là. Je crois qu'on peut pas monter. Ah si, on peut. Si, on peut. Non, saute pas. Bah, allez-y, courez dans les escaliers, s'il vous plaît. Oui, allez, faudra qu'on saute, non? Non, on va descendre ici, Kathleen. T'inquiète, okay. Suis-moi, fais-moi confiance. D'accord, chef. Mais leurs infos, qui les a, là? Putain de merde, regardez les toits, s'il y a quelqu'un. Chier. Mais ils nous ont vu, je vous ai dit, ils nous ont cramé, ils nous ont vu partir derrière en fait. Allez, on répète, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît, je répète du coup, comme Riz a dit, quand on va rentrer dedans, personne ne parle. Pour l'instant, okay, on ne rentre pas. Ok, écoutez-moi bien, je vais refaire un petit débrief. Si jamais je crie pour vous parler, je crie et eux aussi ils peuvent m'entendre. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on crie pas, qu'on reste ensemble, qu'on reste parqués, d'accord? Pour l'instant, on va pas aller sur le bâtiment là. Déjà, repérez tous bien la porte, est-ce que tout le monde la voit? Ouais, ok. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste. Ici là, t'as vu là au niveau du bâtiment blanc. Comme ça on va se mettre. Oh, il fait nuit là. Là. Et au top, là on pourra go. Okay. Restez près de moi. Si jamais on doit rentrer en mode infiltration, vraiment ne parlez pas. Vraiment ne parlez pas parce que les murs ils sont fins et on va se faire griller. Excusez-moi. Non, désolé, pas de bandage. Ok, let's go les gars. Les gars, je me concentre. Donc forcément. Histoire de vous offrir un gameplay. Un par un. Vas-y. Là c'est propre. Ça j'aime bien. Un par un. T'es au mousquet toi? Non,
mettez-vous contre le mur, mettez-vous contre le mur. Collez-vous au mur, collez-vous au mur. Par contre là les infos HRP faut pas les dire. Équipe prise, on est en place là, on est à côté de la porte mais sur le même bâtiment. Équipe prise, le Paco là, il a un problème avec toi. Hein. C'est qui pété? Il a dit ouais je le connais le Riz, il est passé par derrière, c'est un filou à faire une dinguerie. Donc je crois que c'est quoi le bête de l'air. Tu le connais? Oh, c'est qui a parlé? Je te jure je le connais pas, je sais pas qui c'est. C'est le mec sur le toit, c'est Riz. C'est 42-01. Ils parlent de la ruelle de derrière, ils sont tendus donc vraiment faites attention et j'ai un truc de ça. Je sais pas c'est qui, l'agent, trou de balle qui est en train de crier pour m'appeler à côté de, à travers l'autre bâtiment mais... 42, s'il vous plaît. Je suis de 42. Attendez, radio s'il vous plaît, radio s'il vous plaît. C'est 42 skin. Si jamais il sort, c'est qu'il nous tire dessus, le temps qu'on monte, on est mort. On est mal placé je crois en vrai. J'ai une idée. On peut peut-être. Je pense pas qu'on peut. On peut peut-être aller au-dessus. Ouais, je pense qu'on va essayer d'aller au-dessus. Comme ça, on a juste à descendre pour avoir l'avantage. Ok, venez, serrez à droite. Allez, on me suit. Ok. Faire gaffe parce que la poucave elle est peut-être là. Je fouille un peu. Leur poucave elle est peut-être là les gars. Ok on est en place, on est au-dessus de la porte. Attends, non, levez. Vous restez groupés. Venez. On reste près de l'échelle. Prêt à intervenir, ok? Venez près de l'échelle pour être prêt à intervenir. C'est pas plus justifié qu'il y en ait en bas aussi. Si jamais, on doit descendre, vraiment, vaut mieux que vous preniez votre temps pour descendre plutôt que vous pétiez la gueule. Hein. Oh, putain. C'est quoi vos grades là, tous? On est tous officiers, je crois. Non, moi je suis rookie. Oh, c'est qui l'officier 3 au niveau des shotfire. C'est qui l'officier 3? Ok, toi, raciste. Oui. Et queue de cheval, vous allez en bas là où on était au début, d'accord? Ok. J'ai passé une excellente journée, merci à LG, j'espère que toi aussi. C'est gentil. Ouais, ça reconnaît direct quand t'as dit raciste. Ah oui. Tiens, beau gosse toi aussi, toi. Va avec eux. Avec eux 4-4. Ouais. Ouais, il faudra descendre vraiment un par un. Ouais, j'avoue, parce que là. Ouais, on fait un ordre. J'ai ça en dernier. Vas-y, descends en deuxième, du coup, après. Paris. Bande de peureux. Moi, je sais que je vais me fracasser. 1, 2, 3, 4. Mais moi, c'est sûr, je vais tomber. Même moi. Mais ceux qui sont dangereux, en fait, c'est ceux qui sont en train de descendre. En fait, faut vraiment glisser, faut pas bloquer, quoi. Ouais. Alors attends. Mais putain, moi j'ai envie de voir où aller leur Pookie là. Chier. Attends, c'est un coup, il y a une autre échelle là. Attends, je peux monter. Non, mais je vous ai dit qu'ils nous ont vu partir sur la gauche. Et je vous ai dit, oui. Ils nous ont vu, on est cramé. Mais après, ils donnent d'autres infos. Parce que c'est évident si on parle de rien. Ils venaient devant la banque là, parce que leur revendication, c'est que. Tout à l'heure, on est venus dans la banque avec eux là. Ah, attends, t'as entendu? Venez discuter s'il vous plaît. Là, leur revendication, c'est que le capitaine rentre dans la banque. Là, je pense que ça va partir en coup. Ils vont le canner, hein. Vous voulez le canner, hein? Ah, s'il tire sur le capitaine, c'est la merde. Hein. Y'a pas de live Insta? Si, y'a un civil qui fait un live Insta, je crois. Fais gaffe avec ton tel et l'arme. Non, t'inquiète. Enfin, le capitaine, juste qu'on sache si jamais y'a des gens. Qui ah, mode avion. Par la porte, qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est stylé, c'est bien fait! Neutralisation arme létale ou neutralisation taser? Létale. Ok. Attendez, on va rentrer là? Non. Allez, qui prie, s'il vous plaît, on descend l'échelle. Il y a une échelle juste là, pas la peine de descendre. On descend là. Ah ouais, on descend là. Non, là, je vais tomber. Ah merde. Allez-y. Je surveille.
On pose pas une clé mort en vrai. Vraiment, tenez-vous prêt. Hein. On est en train de descendre là. Est-ce que un agent peut récupérer ma voiture et la ramener en bas derrière s'il vous plaît? D'abord, on n'a pas les clés, Riz. Ok, je vais venir la récupérer. Ok, bah je passe du coup, attendez. Vas-y. Restez sur vos gardes, du coup, en bas de l'échelle, il y avait 2-4-4 qui tournaient autour. Ma voiture, je reviens. Vas-y, vas-y. C'est à 17. Eh, par tout hasard, c'est une vraie question. On n'a pas de clé mort, de mine ou de C4, nous, la police. Non, non, malheureusement, non. Non, mais je parle pour de vrai. C'est qu'en vrai, une clé mort. Bah oui. Par contre, Riz, tu voudrais pas récupérer quelques véhicules comme en plus du tien? Comme sur Casa del Papel, là, ça va exploser. Non, mais on aurait posé une mine de proximité à côté. C'est la substance, ça? S'ils ont pas d'otages, on s'en fout qu'ils pètent. Enfin, non. Le problème, c'est qu'ils ont encore 4 otages à l'intérieur, tu vois. Si on en tue un, non, en vrai, faudrait l'armée pour ça, nous, la police, ouais, non. Toute votre équipe, Riz, vous prenez chacun le véhicule, vous êtes assez. Ok, bah, une autre deux équipes, s'il vous plaît, qui récupère un beau véhicule. J'ai déjà mon véhicule. Là, faut faire quoi? Bah, du coup, ça risque de partir en poursuite, en fait. Bah, moi, je sais pas, parce que moi, j'étais devant, normalement, de base. Je sais pas ce qu'il faut faire ici derrière. Mais c'est pas qu'il y a un hélico sur toi qui vient les chercher, tu vois, parce que c'est ça que moi. Ce serait une dinguerie, ah ouais, putain. Ah, bonne question. Bonne déduction, ça, bonne déduction. Eris, est-ce que tu penses que Cube il a les moyens de faire venir dans la voiture, de faire venir un hélico? Je récapitule, l'équipe de Riz, monte dans la voiture. Vous suivez là où va Cube, d'accord, l'assistant. Monte, moi je vais aller devant, monte avec lui, moi je retourne devant ça. Vas-y, attention. Mettez-vous l'autre unité qu'avec moi. Il a les moyens ou pas? C'est bon, Radio, l'équipe de toi, c'est bon, y'a plus personne? 10-4. Non, y'a plus personne. Juste la deuxième voiture là qui va être avec pour la Sultan. Vraiment, juste on les laisse prendre la voiture et on les bloque. Je pense pas que les gars que ça va se faire en poursuite. Ça me paraît trop banal. Je pense qu'ils vont tirer. Je sais pas. De quel côté toi, Riz? De l'autre côté. Vas-y, passe de l'autre côté. Erreur. Je pense que ton hypothèse elle est bonne, celle du début là. Ça va être ça, ils vont se barrer et eux ils vont se tuer. Tu penses pas? Il y en a quelques-uns qui vont être partis, qui vont partir en éclaireur pour que tout le monde parte en poursuite derrière. Moi je pense qu'ils vont faire sortir l'otage en premier, comme ça s'il y a des gens sur le toit, et ben ils pensent qu'ils vont refaler l'otage. Non, mais écoute. Non, non. Imagine, là ils font sortir genre juste 5-6 mecs, genre en mode suicide, et les mecs importants ils restent à l'intérieur en attendant que. Que ça se calme. On peut mettre des herses, non? Non. C'est abusé? Ouais. Oui. On est déjà bien là en vrai. Ah, purée des pommes de terre. N'oubliez pas de vous étirer le dos, c'est important. Ouh, ça croustille. Moi, je sens l'hélicoptère arriver. Ah ouais? Moi, j'avoue, je sais pas, pour Cube, ils ont pas de plan, genre, c'est bizarre. Ils demandent une voiture, là. Je sais pas. Ça me paraît trop peu en fait pour eux là. Montage qui arrive vers vous, le camion. Yung Fu, je te conseille vivement de rester dans la voiture parce que tu as pas de vif et je vais partir sans toi. T'as dit quoi? Je te conseille de rester dans la voiture parce que tu as pas de vif et je vais partir sans toi. Ouais, t'as raison, c'est pas une mauvaise idée ça. Et poussez-vous là, pousse-toi là. Mais fais-moi de la place. Tiens. Non, t'as raison, ouais. C'est mieux. Tu l'as trouvé où ton casque? Ok, juste qu'un bon conducteur se mette côté conducteur. Donc, je vais mettre. Non, pas Yung Fu. Moi je suis chaud. Vas-y, mais non, mais si, pour deux secondes parce que je vais pisser. Dans une bouteille là, dans la voiture là. C'est juste au cas où, tu vois. Ok. Donc, regardez pas ma tête, je pisse. Vas-y, je regarde. Bah, il a un petit zizi, regardez-le. C'est assez? Comment ça? Mon ref, mais. T'as déjà vu sa teub? Mais pourquoi tu leaks? Désolé. Bah non, mais t'abuses. Clossard va. Clossard. Raciste, je suis clochard. Oh, j'ai pas les clés. T'as pas les clés? J'ai les clés. À toutes les unités, si vous m'entendez. Oh putain, ça tire. Monte. Alors, Cube. Donc la seule revendication qu'il a, c'est au moment qu'il lâche les otages. Attends, écoutez. Il veut pas qu'on le rafale instantanément. C'est sa seule revendication. 10-4. Message reçu pour tout le monde? Bien reçu. Affirmatif. Merci. Mais attends, mais il a dit sa revendication, mais est-ce qu'on l'applique? La revendication? Oui, en vrai, oui. Donc, oui, voilà, a priori, voilà. Voilà, oui.
On démarre le véhicule pour voir. pour être sûr. Tu me fais pas confiance, Clossard. Regarde l'autre s'il pisse bien, coupe-toi tes fesses. C'est pas moi, c'est, il fait pipi. Moi, c'est celui qui est devant avec toi. Ok, vous lui faites passer le message, d'accord? Bien reçu. Là, ça appartient en poursuite, d'accord? De votre côté. Si jamais vous avez une fenêtre de tir, vous le faites, d'accord? Et vous me permettez, on peut lui demander 2 minutes? Oui, mais vous inquiétez pas, ça va. T'inquiète, ça va pas te faire maintenant. Toi. Ok, parfait. Mais juste si vous avez pendant la poursuite une fenêtre de tir, une possibilité, vous le faites. Ok, bien reçu. Dans le but d'abattre? Enfin, d'arrêter? C'est bon, RS? Ouais, RS, tiens. J'avais pas les clés. Ah oui, attends, Riz. Ouais. Si jamais pendant la poursuite, on a une fenêtre de tir, il s'arrête ou quoi, capitaine, on tire. Vous pouvez venir au blindé, s'il vous plaît? Ok, bien reçu. Il est rapide, ton pipi. Moi, j'ai couru. Ah, t'as couru? Dans la bouteille. Oui, je fais plein d'allers-retours dans la bouteille. Vite. Quoi? Oula. Oula, bizarre. Là, tu t'es LeBron James, là. Fallait pas le dire, il y en a fou, putain. Ah, faut pas le dire? Ah merde, pardon, excusez-moi. Pas le droit? J'ai pas lavé mes mains, rien, frère. Faut être le plus vite sur le terrain. Ah, il y a une flaque d'eau sur l'arme. Non, mais est-ce que c'est grâce à mes mains propres que je vais arrêter Cube? Hein? Mais de toute façon, c'est à quoi de se laver les mains? Il y a que les gens sales qui se lavent, de toute façon. Oui, c'est vrai. Putain. T'as vu? C'est la technique, celle-là. Et que les gens sales. Eh, vous savez que un miroir qu'on achète, il est jamais neuf. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'est regardé dedans. C'est sûr. Ah, oh, c'est vrai. Oui. Jung philosophe. Eh oui. J'y ai jamais pensé. Et tu savais que celui qui a inventé la première invention, eh ben il a aussi inventé le mot invention. Donc oui. Il est titulaire de 2 inventions. Ah oui. Ah, parce qu'il a. Putain, c'est là, je suis perdu. Là. Les gars, c'est vrai en plus. Eh oui. Tu m'as perdu de fou. C'est de la civolosie. Philosophie, pardon. Eh oui. Comment là? On attend. On attend. Leur seule revendication, c'était que personne les rafale une fois qu'ils ont lâché les otages. Par contre, il y a énormément de véhicules qui viennent devant la banque et qui repartent, c'est trop bizarre. Là, il y a combien de véhicules qui sont mystérieux? Attendez, 2 petites secondes, Riz. Une directive claire, nette, précise. Les véhicules qui s'approchent, qui tournent, qu'on voit 4 fois passer, il y en a... Oh. Messieurs, dames, je ne veux que personne sorte de ce putain de banque avec notre pognon. Faites l'autorisation de faire le ménage et d'utiliser les 10% de pertes vous est permise. C'est 5% la revente sur chute. Pas là pour rigoler, monsieur. L'instructeur. L'instructeur. Pas là pour rigoler, 95. Mais du coup, streamer, ton métier? Écoute, l'instructeur. Oui, pour l'instant, ouais. J'essaye de faire en sorte que ça dure longtemps, quoi. Mais c'est. Prends-toi un petit frigo. Un petit frigo? Ouais, mais ça, c'est abusé. Dans ce cas-là, autant me prendre un studio. Avec. Me faire une cuisine. Yeah. Sans hésiter, pour capitaine, on attend vos ordres. Vous avez entendu l'inspecteur? On doit rentrer là? Ah, pour. On va se préparer, ouais. Eh, vous êtes bon tireur ou pas? Préparez-vous sur le toit aussi à rentrer. Quoi? Attends, quoi? Bah, discrètement. Rentre par le toit, mais non, mais on est plus en place sur le toit, nous. Hein. Non, mais vous allez remonter. Revenez. On remonte sur le toit? Dans tous les cas, vous les attendez parce que je pense qu'ils veulent descendre de votre côté. Attends, et quoi? Neutraliser. Ok? Non, mais là, on est sur un autre plan là maintenant. Là. Nous, on est sur bocage de sultan. Riz, je te fais confiance sur l'opération, gère ton plan. Ouais. Dans tous les cas. Là, on peut pas remonter là. Dans tous les cas, si nous on avance de notre côté, ils vont se rabattre sur toi, Riz. Attends, donc faut qu'on monte? Non. Mais vous demandez de remonter sur le toit ou pas? Je comprends pas là. Comment ça check la porte d'entrée? Je sais pas pourquoi. Non, on te dit de faire ton plan que tu voulais faire de base, par contre fais attention parce que si nous on avance, ça va reculer sur toi. Ok, donc on se remet sur le toit. Allez, équipe Riz, on rebat sur le toit. Ouais. Soyez prudents, messieurs. Reste moins d'otages là. Pas sûr, les gars, le toit, pas sûr, hein. Ah, pas sur le toit? Non. Ok, on recule, on se remet en place. Restez aux abords du toit. Les gars, une fois qu'il a lâché les otages, on va sur le toit. Les otages n'ont pas été lâchés. Ouais, donc personne ouais. Le plan de monter sur le toit, hein. Bah oui, en fait... oui, je sais, mais on n'a pas de choix, ils ont les otages, on est leur pute. Vous savez très bien comment ça se passe. On va pas risquer la vie des otages, ils ont rien demandé les otages. Excusez-moi, qui êtes-vous, monsieur?
Donc on prend... Qui, moi, monsieur? 95, le négociateur. 95. J'ai accordé le 16e amendement des États-Unis sur la perte des civils. Ah bah donc on va sur toi. Oui, on va pas toujours s'arrêter à des simples otages. Instructeur, ça veut dire qu'on peut... Écoutez-moi, ils vont partir. Écoutez-moi, ils vont partir, ils vont prendre le ils vont partir, ils vont. Il y en a. Je comprends rien, les gars. Ils vont monter dans le Rebla blanc et qui vont se barrer, mais ils sont les autres. Pourquoi on a que 4 dans le Rebla? Je veux une unité sur le Rebla, il y a Cube dedans. Cube sur le Rebla blanc. La SD, c'est pour vous. Se barre là. Rebla blanc, tu sur lui. On peut tirer dans le pneu. Attends, on roule. Pour la SD. Hélico, le Rebla, il y a Cube dedans. On a les otages. La Doba, tenez. Ok, équipe prise, moi du coup j'ai décroché. Ça veut dire faites gaffe, ils peuvent partir sur la gauche. Le Rebla blanc, Cube est parti, je répète. Scott, je quitte pas des yeux. Ouais, je quitte pas des yeux, vas-y, go. Droite, je te donne toutes les infos. Droite, oh merde. C'est pas possible, mais c'est pas possible. 4, non. 3, je te fous de ma gueule. 2, je retourne dans la banque. 1, hey, speedy, let's go. C'est pas possible. C'est arrivé, il s'est passé quoi? J'ai glissé. Ah putain. Attends. Ok, gauche après. Pas de VC4. Faites gaffe qu'il n'y ait pas de VC4 ou quoi que ce soit dedans, les gars. Hôpital, ouais. Oh, trop bien, il bien vos oreilles. Va sur l'autoroute. Info importante en radio, celle-là. Droite. Hélico, le lâche pas, hein. C'est un rafale. Il va vers le tunnel. À gauche, ouais, tunnel. Henri 67, on a perdu la. Fais gaffe aussi s'ils peuvent nous braquer là. Faites l'école radio, s'il vous plaît. Ok, Cube dans le tunnel. Il est dans le tunnel à proximité de l'autoroute. Vas-y, fais l'école. Pourquoi les tunnels de métro? Ah, oh, ça sent le plan blocage ici là. Il y a surtout un monde où ils descendent et ils nous tirent dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Ici là, c'est vraiment une zone à risque. Attends. C'est pas grave, c'est la même, Ah ouais. Non, c'est un Rebla, putain, il glisse pas lui. Chier. Les gars, on a des fumigènes ou pas? On a des fumigènes ou pas? Les gars, on peut. Tout droit, je pense. Il nous faut des fumigènes, on met des fumigènes. Okay. Là, il nous faut absolument. J'ai vu personne à gauche et à droite. Prenez tous votre temps, d'accord, y'a pas le feu. Donc, j'espère c'est là. 78, est-ce que vous avez réussi à avancer? 10-5, on a un fusil à pompe qui nous attend à l'entrée, on a deux agents au sol. 39 pour le Henri, on a perdu le cube dans les souterrains. Surveillez les sorties, s'il vous plaît. Ok. Ils sont arrêtés sans pied, ils prennent une autre voiture. Arrêtez-vous! On a l'ordre de tirer pour deux sorties. Remonte. On a le capitaine à terre à mon niveau. Allez, on s'arrête. Personne ne va se rendre. Ça va partir en bain de sang. Ça va partir en couille. On a besoin de renfort dans le tunnel. Fais décolle. Besoin de. Merde, mais j'ai pas le. Zéro, t'as raté, ne paniquez pas, on a plusieurs de vingt. J'arrive pas à parler. Vous préviens, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'autorisation, nous, c'est ça qui est marrant, t'imagines? Ouais, bah on a l'autorisation de vous rendre en tout cas. Ah, mais on peut pas parler radio? Tenez à votre vie, cher ami. Donc rends-toi. Les gars, j'arrive pas à parler, wesh! Ne vous inquiétez pas, vous savez très bien qu'on est foutus de toute façon. Ouais, ça je le sais, ça. 39. Voilà, donc laissez-nous monter dans ce véhicule et tout se passera bien pour vous. Dis-leur que c'est dans le tunnel. Oh, il n'y a pas de réseau dans le tunnel. Ok, je. Pour la radio. Ma gueule. Je te jure, je peux pas parler radio. Son acolyte sont pris en otage par Cube. T'as rien parlé à Jot ou pas, chérie? Remontez dans la voiture. Comment ça, y'a pas de raison? Je te jure, je peux pas parler à radio, personne peut parler là, ça passe pas. Non, fais pas les pneus, ils vont nous tirer dessus, on est mort. 39 pour radio, vous m'en savez? Ils sont descendus, ils ont voulu nous braquer, là on est toujours dans le tunnel, on va sortir niveau. Oh putain, j'ai oublié. Niveau taxi, je crois. Ok, 10-4, qu'ils. Toujours en Rebla, ils sont remontés en Rebla là. Ouais, sont armés d'AKU et AK-47. La pluie dans les pneus, il s'arrête, il nous tue. Hein. Ah ouais, clairement. Sont au niveau du taxi. Hein. Ah, c'est taxi, je crois, ici, ouais. Mais j'avais pas de réseau pour la radio, je pouvais pas parler là. Moi non plus. Ouais. C'est trop profond. Dites-nous. On peut pas rentrer, on est encerclé à l'avant encore. On peut pas rentrer. Essayez de vous infiltrer par le haut. Hélico, on s'en va sur le toit. Hein. Plus personne est sur le toit. Et Scott, on va sortir très bientôt du tunnel. Hein. Ok, on sort. Les agents. C'est bien taxi. Super. Rakan, il va pas tout seul. Ok, nice. Oh, c'était bien taxi. Ok, alors Henri, on est à proximité des sorties d'égout. Ils avaient un otage ou j'ai rêvé? Le mec était pas masqué, mais il avait une arme. Pour moi aussi. C'est impossible pour moi maintenant. Il y avait Henri au-dessus, non? Il
que vous avez réussi à rentrer, entrée principale? Il avait une arme, les gars, le mec avec la coupe comme Riz là. Ils nous attendent à l'entrée. Ils se sont dit qu'ils ont des angles à l'entrée, on peut rien faire. Et nous non plus, on peut rien faire. On aurait pu tirer, mais ils nous auraient fumé. On est que deux à l'arrière, du coup, il nous faudrait des unités. Ils nous auraient fumé, ouais. Pour qu'on puisse rentrer. Même moi, j'ai besoin de renfort sur le replay de Cube. Le problème, c'est que si on fait plus de bruit devant, ils vont s'en douter. On va garder comme ça pour l'instant et essayer de voir. 39 pour Radio, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un dame qui décroche et qui vienne sur la poussette avec nous, s'il vous plaît? C'est urgent. Possible, hein. On a beaucoup d'agents au sol, 39. Ah merde, ok, merci. Ça va avec ce que vous avez. Ok, oh, les gars, tu peux me faire des tirs de suppression le temps que je récupère les agents au sol? Je vais essayer. Le problème, c'est qu'il y en a à l'intérieur aussi. J'ai peur que ça parte en plomb bateau. Non mais là non, ils vont vers Wardog là. Ok, ouais, ça va. La Wardog c'est absurde, je sais pas si... Arrêtez-vous! Au nom de la loi! De 26 à 63, je fais des tirs de suppression pour qu'on récupère nos blessés. Ok, le 1056 c'est derrière le... Heureusement que ça a pas tiré les gars, on serait mort. Ils avaient tiré et on serait mort. Attention, 26 devant vous. Piafi. Là les gars, on a Cube en face. Je répète, j'ai vraiment besoin de renfort s'il vous plaît. Compliqué, il y a beaucoup d'agents à terre. Je sais, dès que possible. Ils sont tous morts là-bas du coup, je crois, les agents. Dis-moi dès que je commence à faire des... Attends, vous voulez que les agents à l'arrière, on vous rejoigne devant? Tant que ça va, on est 5 encore à tenir position. Ils sont 5, putain, c'est une dinguerie, ils sont tous fait abattre. Enfin, au sol. Et du coup, il vous reste combien de fuel? On est quasi à free. Ok, cool. La descente, Riz. Ouais. Ils en ont plus. Oh, leur véhicule, il fume. Je crois que c'est l'essence, ça Riz. Oh, le véhicule de Cube, il fume. Ça risque de nous braquer, hein. Ouais, faites gaffe. On craque pas, ok? Bien sûr. Si eux, ils tirent, on est foutu, nous. Unité Riz pour hélico, il commence à plus avoir d'essence. Fais gaffe s'ils nous braquent en descendant. Y'a un voilier. On fait quoi s'ils montent? Ben, on va leur tirer dessus. Quoi, ils sont dans l'eau? Si vous allez dans la mer, on va vous tirer dessus. Vous allez dans la mer, on vous tire dessus, hein. Allez dans le bateau. N'allez pas dans la mer, hein. Messieurs, ne faites... N'allez pas dans la mer. Je vais leur tirer dessus. Je te préviens, je vais leur tirer dessus. Je vais leur tirer dessus. N'allez pas dans cette putain de mer. Revenez, on va vous tirer dessus là. Venez. Essayez de faire reculer. Va pas dans la mer. Revenez là. On essaie de récupérer nos agents. Reviens là. Le Henri, ne les lâchez pas, s'il vous plaît. Entrée principale, bientôt peut-être. Bon, allez. Monsieur, lève les mains, s'il vous plaît. Attends, mais fais... Taille, mon frère, taille, gros. Parfait, bon. Couteau. Oh, il fait des tirs de sommation. C'est pas grave, oh non, pas lui. Messier, reste en vie. Elles sont là-bas. Messier, reste en vie, là. Ah ouais. Belle, messier. Faut manger des mafés, faut manger du chef. Oui. Manger des... Voilà, reste en vie. Si vous mourrez, vous ne pourrez plus prendre votre service. Restez avec moi. Maître. Maître. Messier, si vous mourrez, vous ne pourrez plus prendre les métros, messier. Oui, c'est vrai. Reste en vie. Oui. Alhamdoulilah. Ok, messieurs. Vous allez bien? J'ai pris toutes les balles dans le gilet, mais je suis tombé en conscience. J'ai eu peur. Ouais, messieurs, comme on dit. Je veux dire, j'ai pris les balles dans le gilet. Messieurs, comme ça, je vais jouer un peu, parce que vas-y, frère. Je vais soigner votre collègue, tenez, j'y dépends, messieurs. J'y reviens tout de suite. Non, mais ça va, parce que j'ai pris juste des balles dans le gilet, heureusement. Alhamdoulilah, alors. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci monsieur, faut que je change de gilet du coup. Putain, il est dans le coffre, heureusement. Allez-y. Merci. Histoire de jouer. L'éternel vous sauvera, messieurs. Je suis les prêtres et les prédicateurs, messieurs. Est-ce que c'est abusé ou pas, les gars, de faire ça? Si tu crèves, j'ai ta somme, messieurs. Les suspects, vous avez... En vrai, vous avez moins après. Je vais essayer de pas trop de te faire plaisir. 39 pour ils ont moins, vous savez. Vous avez pas l'air de saigner. Hamboula.
Donc je pense 39 pour Riz. 113. Ouf, eh, vous êtes machins. Je vais retirer vos gilets, vous pas mal vous ils sont radio 2 mais je le sais pas en RP. Allez voir Lico. Merci monsieur le médecin, merci. Lico. Eh collègue, il se passe quoi? Attends, 18, on est à l'intérieur, on va en bas. Attends. Riz. Ouais. Je me suis pris des balles dans le gilet, il se passe quoi? Non, toi reste au sol frérot. Ah ouais? Ouais, bah oui. Vas-y. Balle dans le gilet quand même, mon ref. On va aller voir le médecin. Attendez-moi, capitaine. Bon, on va regarder de loin alors. Non, là, t'abuses. Oh, le suceur. Oh, regardez-moi, suceur. Ah, toi, tu l'as bien. Tu l'as à travers la gorge carrément là. Deux secondes. Ouais, non, t'inquiète, ça va. Vas-y, dégage de là, toi. Attention. Pas besoin des plis. 26, t'es où? C'est bon. Si, besoin de plus. Escalier. Quel escalier? Okay. Merci Alice. Merci pour ça qu'est moi. Alors lui là c'est dinguerie hein. Derrière les fumées Michel. En train d'essayer de monter. Putain j'ai envie de voir la scène. Je vais regarder avec les jumelles. D'accord. D'après mes calculs littéral, je vois que vous avez quand même pris vous avez un beau blé hein. Vous avez pris au niveau des côtes, ça a tapé, ça a fait boire. Je vais regarder sur le toit, je suis blessé. Non, mais la douleur est intense. Ne vous inquiétez pas. C'est nous l'escalier. Oui, Alice, dites-moi la douleur. La. 7. Star. 399, il y a un mec dans la pièce là, je crois. Bien sûr. Cette pièce là. Individu qui s'est rendu. Ce qui va se passer, messieurs, c'est que je vais aller dans mon ambulance, je vais aller chercher une crème et je vous ai appliqué un bandage. Vous devez juste passer à l'hôpital vite fait pour qu'il vous ausculte plus en profondeur. Oui, bien sûr, il faut regarder s'il y a des balles, mais je crois que je me suis pris une balle. Écoutez-moi ouais. Bien, il y a une balle qui est rentrée. Chaque étage avant d'aller à un autre étage. Je vois pas avec les gilets. S'il vous plaît. Retirez les gilets. Attention, ça rentre derrière vous. Faites attention à des individus qui rentrent derrière vous, les gars. Ça vient de rentrer dans la. Mais ouais, je retire les gilets, mon ref. C'est. Ah ouais, je vois, ouais. Ih, vous avez pris une balle, attendez, je vais vous faire un garrot, hein. J'ai cherché les tissus tout de suite. Ah là, c'est dommage, hein, ça. Hein. C'est dommage de ouf, voilà, j'ai le seum. Là, j'ai le seum, frère. J'ai trop la haine. Tout ça pour ça, wesh. Ça fout la haine. Oui, messieurs. Vous êtes toujours en vie, vous êtes toujours conscient. Oui. D'accord, mais des soucis, messieurs. D'accord. Ce qui s'est passé, ouais, vous avez pris une balle. Hein, ça n'a pas traversé le gilet, mais ça s'est passé au-dessous. Donc, de manière logique, ouais, vous avez pris au niveau de. Comment on appelle ça? L'abdomen. Ah ouais, je le sentais, ouais. Donc, de manière logique, d'accord, ouais, je fais mes calculs. C'est-à-dire qu'elle est rentrée. Non, mais les gars! Elle est encore logique. Attends, j'attends qu'ils finissent. Rire de vous-même. Attends. Vous avez un bébé balle dans les ventres. Ah merde! On va la retirer du comme ça. Exactement, messieurs, mais il faudra aller le. Merci Nabs. Là, je n'ai pas des. Si je vous enlève ça à vif, c'est comme si genre. Tu mettais ton doigt dans ton cul. Non, mais pas loin. De problème, on va retirer. D'accord, pas de problème, messieurs. Donc maintenant, bah en fait. J'ai cherché les brancards, je vous mets des si, je vais à l'hôpital, je vous auskilt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah ce que j'apprends, bah maintenant je sais que les gars, prochaine fois je tire sur les gens, rien à foutre. Ouais, c'est bon frère. Nique sa mère le fair play. Et voilà. Je vais te fair play de temps en temps. Mais quand il y a des grosses scènes, je tire. Bah y a pas de discussion. Et là maintenant, mais Cube il discute. Cube c'est bien. Mais son pote qui tire, wesh, tranquille, on peut discuter, wesh. La rage. Ça va aller tout. Ouais. Fou. Ah ouais, ça va. Vas-y, maintenant faut tirer direct. Hein. Monsieur le MS, je peux vous aider. Dites-moi, je peux vous aider. Non, jusqu'ici ça va, tout va bien, Alhamdoulilah. C'est sûr. Je vous assure, monsieur, tout va bien. C'est dommage, hein. Tu avais l'autorisation. Pas de soucis. Ouais, mais je comprends pas. Vous êtes parce que. Tout le monde avait l'autorisation, mais personne n'a tiré. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde, je tire pas aussi. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Et pas que moi, on était plusieurs sur la scène, on était 4 flics. Mais si vous êtes fou, vous m'entendez? Ouais.
D'accord. Vous allez vous appuyer sur l'épaule de moi et de votre collègue. D'accord, merci. Voilà. Je vous amène jusqu'à là-bas. Oh, ça tire, putain, ça tire. Oh, ça tire. Ça tire comme dans mon pays. Mais si, mais Starfall là. Allez, faut tiens le coup, tu vois. Ils ont rafale l'hélico. L'hélico. Eh, ils sont deux encore là-bas. Ils sont deux. J'ai pas regardé. Non plus. Vas-y, monte à l'arrière, t'fou. Vous avez encore la force de conduire ou vous voulez que je vous raccompagne vous aussi? Non, vous inquiétez pas, je vais voir si ça va bien. Ok. Fils de pute, me chercher ici. Si. D'accord, pas de soucis. Allez, chat. C'est dommage. J'avais pris des sens, j'allais pèlerer. Seigneur Dieu. Ah, heureusement. Attends, par contre, il va falloir que je remonte. Star, voilà, je passais par où? Hein? Oh merde. Non, là, c'est à droite, droite. Ici, là. Là? Ah, bon, là. Merci, messieurs. Non, avec plaisir. Hein. Avec la plaisir de beaucoup. Là-bas, c'est des escaliers. Star, voilà ce que je viens de faire. Wow. Ok, messieurs. Top inter, messieurs, je vous ramène au plus vite. Merci beaucoup, ouais. Je vous en prie, messieurs. Vous êtes le meilleur. Mais si, je ne suis pas les meilleurs, je suis moi-même l'excellence. Ta mère, laisse. Eh, pardon. Oh là là. Non, c'est bon. Non, il est debout. Il est debout, ça va. Il est debout. Ton père qui emmène une télécommande au cinéma. Ton père qui redémarre les décodeurs des frites. Ton père, le bras droit de Cyril Abouna. Ta mère qui a fait un feat avec Bin Laden. Oh ça, voilà ce que non. Oh mon dieu. Oh. Cousin de pas. Oh mon dieu, Seigneur. Non. Oh non. Doucement. J'ai fait Bin Laden. Non, Bin Laden. Tu connais Bin Laden? Oui. Il fait des gnocchis et tout sur la plateforme Youpi. Ton père qui fait des kebabs maison. C'est ouf, wesh. Ton grand-père qui utilise ses ongles de pied comme couteau. Ton père qui mange la nourriture pour chat, il croit que c'est du thon. Elle est technique celle-là. Deuxième étage. Il est proposé de soit faire une césarienne ou soit. Ton père qui conduit des voitures alors qu'il a le BSR. Ta mère qui conduit des bateaux alors qu'elle a la SSR, messieurs. C'est bon, arrêtez de plaire, mon frère, c'est bon. Tu savais plaire, ouais, c'est bon. Bon, monsieur, tu connais la routine, allonge-toi, je vais te zoskilter. Allez-y, monsieur, j'enlève mon haut. Vas-y, retire, monsieur. Voilà, je retire. Histoire que je puisse accéder à moi, à ton abdomen. Allez-y. Oh là là, mais faut m'anesthésier, là. Oui, quand même, non, je regarde si la plaie était faite à vie. Vous allez anesthésier que le ventre ou tout? Tu veux quoi, j'anesthésie tout? Parce qu'anesthésie locale, ça fait un petit peu mal quand même. Ah oui, non, mais là, c'est l'abdomen, là, faut tout enlever, là. Ouais, c'est... Alors, merci pour deuxième mois. Tu vas plaire ton vie, hein. Bah, vas-y. Ton père qui mange des pâtes crues. Ton père, il mange des gnocchis, il croit que c'est des chips. Ton père qui met du coca au micro-ondes. Il croit que c'est un chocolat chaud. Ton père qui fait les doha avec la... Oh, for là, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Ouf. Oh, j'en ai ce qu'il faut. Vas-y. Ça va se passer entre nous. Juste tous les deux. Je peux te soigner ou pas? Ok, alors, je panique pas. Ça risque de faire mal. mais c'est ce qu'il va falloir faire. Ton père, il boit du spray, tu crois que c'est de l'eau? Par contre, il y a beaucoup de flops dans le chat. Je vais te donner. Ton père qui confond coca et freeway. Il va déclencher le travail. Ta mère qui fait la cuisine torse nu. Tu veux que je te fasse une péridurale ou... Ton père qui fait l'imam et qui se trompe. Oh là là, non, t'abuses. Non, tu es des trucs de ouf. Ou alors tu préfères... Il dit des trucs de ouf, wesh. Ok, vas-y, on est... Wesh, il dit dingue.
Oh là, incroyable. J'ai moins 10 points Hassanet là, c'est ouf. Okay. Oh là là. Ah oui, là, force. Je vais chercher tout ça. Ah là, pour les rattraper, ouf. Je vais faire Ramadan demain, après demain, tout le mois. Ah oui, là, faut. Bon, ma petite biche. Oui. Ne gueule pas, je suis juste à côté. Je vais devoir déclencher le travail d'une meuf, malheureusement, parce qu'elle a perdu ses bébés. Donc, ne gueule pas. Ne gueule. Ah, non, t'inquiète. Ça va, 54 j'étais en maternelle ou quoi pour dire de fou. Ah là, tu dis. On fait au plus vite. Même elle a le gueule un peu tout à l'heure là. Et tout à l'heure, je l'entends à travers tout l'hôpital et c'est moi qui crie. Elle a le gueule, elle fait que de crier. Moi, j'aurais crié à sa place. Hein. T'as besoin de... Moi, j'aurais crié. Hein. Soit un homme. Oui, Soit un homme. Soit un homme. Vas-y, crie. Okay. Ah au nom des dieux. Okay, excuse-moi, ça parle en radio en même temps. Oh, t'es mort. J'aurais jamais dû faire ça. La dame qui non, ça va, ça va. Elle a rien dit. En fait, ouais, il y a l'hôpital, mais il y a autre chose après derrière. Ah oui. Oh, j'ai perdu. Bon, ça va. Est-ce que vous pouvez vous occuper de ça? Ça peut pas du tout. Bon, ça va. Dans deux minutes. Tu m'anesthésies là? Oui, moi je t'anesthésie. Ah, je n'ai pas. La sommeil. Ah putain. Ok. T'es prête? Je t'apporte. Alors, j'ai fait l'incision au niveau de l'abdomen. Les gars, je suis fatigué. Fatigué, les gars. Ça va te faire mal. Quand tu sentiras une contraction venir, tu laisses vraiment la balle ton corps. Ton père qui est Bodjo Aisti. Dès que tu sens que ça te fait mal, la contraction vient, tu pousses à mort. En fait, vas-y, frère, je m'attendais à un truc cool. Vas-y, j'ai la haine. On va prendre les carters. Est-ce que tu veux les voir ou est-ce que... Okay. À quelle heure le serveur ne sera plus disponible? Bah là, pendant deux jours. Là, ce soir, enfin demain à 18h. Tu veux gueuler, tu gueules. Exactement. Ton moment, c'est toi, ok? Ok, les carters. Ouais. Je doucement. Je vais toucher les nerfs. T'es déçu, on sort, pose-toi devant Amazon Prime. Tu regardes Top Boy. C'est normal. Ça va Boys. Enfin, The Boys, j'ai vu ça, je crois. Ça va commencer à te faire mal. Ça va s'intensifier. Et quand tu sens que ça non, mais allez, j'en vais. Et que tu sens que... Non, la scène était cool. Elle devait être cool. Mais bon. Voilà. Okay. Ça va faire comme si t'as envie de faire caca de fou malade. Okay. Mais de notre côté, pas trop cool. Redonne, merci pour 13e mois. Bonne nuit, mon frère. Ok, je vais retirer. Ok, la balle est retirée. Gueule si t'as besoin de gueuler, vraiment, je te promets, c'est ton moment, vas-y. Alors, pour accoucher ? Ici. Allez. Eh, voilà, radio, il parle pas. Oh, voilà, c'est trop. Allez, hop, nique ta mère, toi. Alors, t'en as accouché ? Elle accouche ? Vraiment, donne-toi. Tu pousses, super. Ok. Putain, si j'étais pas anesthésié, j'aurais crié, j'aurais dit ferme ta gueule. Entre deux, putain, merde. Okay, ah, les bébés sont morts. Voilà, super. Tu fais okay. C'est incroyable. La balle est retirée. Putain, les gars, wesh, imaginez les voisins. Okay, ils doivent se dire Starfalla à la couche devant son PC. Toute seule. Les voisins, ils doivent. Il doit. Ah, comment c'était son bébé de fils de pute, hein, je suis choqué. Donc elle-même est s'insulte. Il a dit son bébé de fils de pute. Ah, on va respecter. En plus, c'est vrai. Ok, bon. Du coup, l'abdomen, ouais, je vais faire ça pour réparer le tissu un peu. Comme tu l'as, ça fait plaisir. C'est bon, j'ai récupéré. Ok, c'est bon. T'es sûr, tu veux rien voir, hein? Je vais oublier. Ok. Ok. Voilà, la tête s'est refermée. Nickel. Ça. T'inquiète pas. T'es dur. Tu peux me dire les sexes ou pas?
tu avais deux garçons. Oh là là. Jure château. Pétard. Sinon, il va avoir un trou. Comme un puits au niveau du ventre, quoi. Un puits. Putain, mais elle est longue l'opération, ça, hein. Il devrait juste boiter deux jours, trois jours maximum. Il devrait se rétablir vite. C'est un vrai zombie. Elle est longue l'opération, les frères, non? J'ai envie de me barrer de là, moi. C'est bon. Déjà, je me suis fait rafaler. C'est moi tranquille. C'est la meilleure que la plupart. Vraiment, tu gères de fou. Ah. Ah. Ça va? Ou tu dois encore un petit dans les vapes, monsieur? Ah, je commence à me réveiller là, c'est long. C'est normal, c'est normal que ça prenne du temps, monsieur. Sinon, ce n'est pas drôle. Oui, oui, oui. Oui, je comprends. En tout cas, je vous ai quand même à mettre votre t-shirt, il fait froid dans cet hôpital. Merci. C'est pas des chauffages. Voilà. C'est un Renoir blanc ? Votre gilet pare-balles, je l'ai à terre, je le porterai plus tard, je peux pas vous porter, vous. Et en même temps, les... Pas de problème, monsieur. Ok. Je vous amène à la salle des repos. Merci. Et vous, mangez pas que tu m'as fait, hein ? Ah non, je mange beaucoup. Hey. Manger quoi? Ouais, oh, il y a 30! Comme ça. Ah, mais à côté des vapes, 30! 30, je suis dans les vapes, 30! C'est pas 30? 30? C'est la chauve là, j'ai opposé quoi son. C'est quoi son truc? Collègue! Collègue, qu'est-ce que je raconte? Madame! Ouais! Votre collègue, je voulais me déposer juste à côté de vous. Ah, oh, salut, Youngfeu, ça va? Ouais, ça va, je suis dans les vapes, ferme ta gueule, pétasse! Eh, ferme-la, espèce de bâtard, va. Et qu'est-ce que tu fais là? T'es pas enceinte de base? Je viens de les perdre. Quoi? Oh, mais félicitations, mais c'est bien. Comment ça? Ah, ils sont... Oh, en vrai? Oh, ouais. Oh, pardon, je suis dans les vapes. Oui. Il pourra sortir... Oh, merde. Il sortira... On peut l'emmener sur le bal. Là, il a le bon repos. Mais non, chat, non. Ouais, mais... monsieur, permets pas, monsieur. Vous avez dit quoi? Vous avez dit... Non, il a dit R. Il a dit R. J'ai dit R. Je me suis fait mal. Ok, ok. Pas de soucis. Eh, monsieur, dégage de la main de quoi? Dis pas chat. Elle va vivre. J'ai dit R. Il va te mourir. On va le voir ses pieds. Ok, je suis défoncé, là. Et faites ça entre amis. Oh, je suis défoncé là. Oh. Tirez le drap là à droite et vous faites ce que vous voulez. Eh, madame la médecin, ferme ta bouche, je suis défoncé là. Non, remets. C'est pas grave. Il serait médecin. Ah. Oui, c'est sous médicament, y a pas de problème. Et Speedy, contre le mur, vous fouillez les fesses là. Ah oui, il est vraiment bien là. Le dosage, il est impeccable. Hein. Ah, mais j'ai trop envie. 02, 02, elle vient d'accoucher. Et ils sont morts, les pauvres. Ah, mais lui il est parti se mettre bien dans les saisies, lui. Il est parti dans les saisies, il a pris le plus gros joint qu'il a. Et je me suis fait soigner par une tête de bite. Grosse bite. T'as eu quoi? Attends. T'as dit quoi là? Ah non, c'est l'anesthésie. Ok, je vais juste avoir besoin de ta carte d'identité, s'il te plaît. Je sais pas, putain, mais j'ai ma carte de. Parfait. C'est quand je sors les médecins là, faut que je prenne mon service. Oui, mais plus tard, prends le temps de prendre des. Hein. Oui. Backup niveau 3. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Viens, désirer vite fait. Ouais, tu crois les ont arrêtés, 39? Ferme ta gueule, tu es. Ta gueule. Eh, mais les gens arrêtés, ben oui. On est la police, ils ont bien sûr qu'on les arrête. T'es pas un keuf, t'es pas un keuf. Couché comme des grosses merdes. Ouais, c'est vrai. Non, même pas. Après 3 heures d'attente, sa mère. 3 heures pour qu'on se fasse niquer. Pour qu'on fasse quoi? On soit à l'hôpital. Tu sais pourquoi? Pour qu'on se fasse niquer. Pour faire du roulade. Du quoi? T'as pas des mecs dégourdants, moi je te vois. Faire du roulade. À l'hôpital. Je t'ai pris des balles dans le ventre du coup.
J'ai pris un coup de pompe dans le ventre. Oh mon dieu. Ils t'ont protégé en vrai. Ils ont... Bah les enfants, heureusement ils ont pas spawn hein, parce que... Ils ont servi de bouclier ces bâtards. Allez. Les enfants ils ont pas spawn mais ça manque. Eh, est-ce que t'imagines, ils aviez spawn. Et... Bah ils auraient vu la malheur du monde. Donc en vrai... En vrai... Ils spawn où, qu'est-ce que tu racontes? Bah ils sont sortis de ton ventre quoi, ils sont spawn. Et ils se sont fait kick instant quoi. Ils sont morts, arrête. Mais non, mais écoute-moi. Je rigole pas, je suis triste pour toi. C'était le seul souvenir que j'avais, mon mari mort aussi. Et oui, 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 mais c'est redeux, c'est pas ça. Et redis-toi qu'ils ont pas vu. C'est pas ça la vie. Mais non, mais ils ont pas vu les horreurs du monde. Que... Bah, ça, c'est bien Yang Fu et tout, hein. C'est Yang Fu. Allez, calme. Regardez, bête de police. Eh, je me dis contre le mur, monsieur, étranger. Comment c'est étranger? Il dit quoi? Comment ça mon ref? Ah mais laissez-le, il est défoncé, il est défoncé, ouais, il est pas comme ça sinon. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Oui, c'est pas comme ça. Y'a pas wesh à mourir comme ça. Y'a pas wesh. Y'a pas wesh. Y'a pas wesh. Ah. Ah, ça commence à aller mieux. C'est qui dans la chambre à côté? Ah. Ah, il s'est passé quoi? Feur. Pourquoi elle pleure? Et pleureuse. Monsieur, vous avez de la chance, il y a vos collègues. Au début, j'allais vous envoyer au métro. Au métro? Non, le métro. 39. Oui. Pourquoi elle pleure, Zinedine Zidane? Mais ses enfants, ils viennent de caner. Respecte, fils de pute. Ah, c'est bien dit, ça, 39. Respecte, fils de pute. Après, quand même. Oui. Heureusement, ils sont paniqués. Force au petit 1. C'est où l'entrée? Franchement, franchement, force à eux. On va rester là longtemps ou... Monsieur le MS, je crois que je suis énuque. T'as mal à la nuque? Non, énuque, j'ai perdu une couille. Mais non. Quoi là, c'est monocouille du coup? Non, énuque. Non, énuque, c'est quand vous pouvez pas... C'est quoi? Quand vous pouvez pas... vas-y, que tu peux pas bander, mon frère, ouais, c'est bon, j'ai pas marché mes mains. Ah, attends, y'a plus de frein. Oh, y'a plus de ralentir, y'a plus de frein. Y'a plus de ralentir. Oh merde, y'a plus de frein. Y'a pas de dedans, en fait. Il a perdu le frein. J'ai en plus mes jambes 54. Oh, faut changer les disques. Petite dingue. Faut changer les plaquettes après les disques. Et... Ça me fume le RP bourré, fonce D, je sais pas quoi. C'est qui ce fils de pute qui m'appelle là? Casse-le. On a trop le fils de flûte facile, c'est pas bien. Ah là là. Banane de Church of M. Pas opéré, non. Ah bah. Non, c'est une balcon. Non, c'est bon. Je connais Kayla qui s'occupait de moi. Banane de Church of M. Quand tu le mentis, on va se mal et dis-moi ce mot. Ah bah, c'est que t'as le cœur, moi. Quand tu le mentis, on va se mal et dis-moi ce mot. Rose pour tout, tu vas mal et dis-moi. Kai, oui, moi, dis-moi. Frérot, c'est japonais, ça. Hein? Ah, ah. Ça va mieux, monsieur, ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, faux ? Ça va mieux, ça va mieux. Hamdoulin. Ça va mieux, ça va mieux. Là, je suis désolé pour toutes les dingueries que je viens de dire, là. Je ne me le rendais pas compte, j'étais foncé, quoi. Non, pas de soucis. Pardon. Allez, patron radio, allez, nique sa mère, c'est bon. Voilà. Monsieur, merci. Merci, je vous mets la main sur l'épaule. Merci, merci. Ah, vas-y. Vous vas-y. Êtes un bon, monsieur. Toi aussi. Aïe. Monsieur, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, ce que vous devez faire, c'est faire doucement. D'accord. Vous allez boiter maximum 2 jours. Donc la balle est dans le ventre et je vais boiter Non, la balle, je l'ai enlevée. D'accord.
D'accord. Elle était où dans le ventre? Ouais, elle était au niveau de l'abdomen. Ah. Donc du coup, là, vous allez boiter 2 jours, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Okay. Si vous sentez des douleurs, vous repassez ici. Ok. Et vous devez... Alors, le dernier point, c'est tous les jours de toute la semaine, c'est embrasser Fungala Kwaki. Ok, bah, parfait. Du coup, faut que je revienne ici tous les jours de la semaine. Non, pas ici. Normalement, vous trouvez un Fungala Kwaki. Ah, je vais le trouver. C'est qui, lui? Fungala, vous inquiétez pas, vous le trouverez assez vite, monsieur. D'accord. Je crois en vous. Ok, merci. Merci, monsieur. Bon, je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée, vous aussi.